Messieurs, dames, bien le bonjour. Il est l'heure, on se retrouve 17h pétante pour ce nouvel épisode du Juste Bistrot sur Twitch. J'espère que vous êtes en très grande forme. J'espère que vous allez bien, les amis. On se retrouve, vous le savez, c'est le Juste Bistrot. On va décortiquer l'actualité ensemble en direct. La semaine dernière, on a fait un grand chelem, un Twitch tous les jours. Et là, bon, hier, ça a sauté. Bon, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les aléas du direct, voilà, j'étais occupé pour de belles choses, parce que ce soir, c'est Cassolette et Macronier, épisode 4, sur Olivia Grégoire, rendez-vous à 18h, on la regardera peut-être ensemble, justement, en version Director's Cut. Beaucoup de choses aujourd'hui, on va faire un épisode un peu spécial, un Julien Pin Forum de Davos, je vous l'avais promis la semaine dernière, on va faire un petit peu une thématique, hein, voilà, sur les jours à venir, on va beaucoup parler du Forum de Davos, beaucoup parler du Forum économique mondial, hein, donc de cloche fab, et tout ça, décortiquer un petit peu tout ce qui se dit avec le fameux livre, hein, dont beaucoup de gens en parlent, Covid-19, la grande réinitialisation, The Great Reset, et là c'est Julien Pin qui s'en a occupé, donc là le sujet est devenu sérieux, là il faut pas déconner. Juju, il est allé à Davos, il a dit on va fact-checker tout ça. Allez tous vous faire fact-checker. Donc voilà, on va regarder le petit reportage de l'ami Julien Pin. Ça regarde 20, ça dure 20 minutes et on va bon, voilà, on va fact-checker Julien Pin d'une certaine manière. Hein, c'est l'arroseur arrosé, comme disait Gérald Darmanin, fut un temps dans d'autres draps. Quel plaisir, voilà les amis, de vous retrouver en direct. Je mets le chat. Bonjour à tous, merci à Soljan qui vient de sub, c'est le quatrième mois, merci beaucoup. Tous les fidèles sont là, il y a mon Gab Venturi, il y a Cesdel, il y a Bib59, le prince du lac, princesse Zouga, Choupette 403, Mame Cafan, on a Miss Dins que j'embrasse bien sûr, il y a Bisouy04, Alexandrine 59, Audrey, Sweetie, Tartampion 34, enfin voilà, tous les copains sont là, Roma 83, facile à lire, Choupette 403, l'a dit, tous les copains sont là, que du plaisir les amis, pour finir la journée en beauté, vous êtes peut-être encore un petit peu au boulot, au moment où t'en as plus rien à foutre, hein. Passé 17h, il y a Sylvie qui arrive, oui, le dossier 412, excuse-moi Sylvie, mais au bout d'un moment, le dossier 412, il va finir dans un endroit où il verra plus la lumière, donc Sylvie, t'arrêtes, donc voilà. Sylvie, Nadine, Monique, chacun a le prénom qu'il veut dans les entreprises. Donc, on sait que c'est le moment. Voilà, on en a plein le cul. Et puis voilà, au boulot avec l'écouteur, c'est Roma 83R qui file la technique de l'écouteur. Ça, c'est du plaisir. Donc, voilà un petit peu les amis, ce qu'on peut se dire sur tout ça. Beaucoup de choses. Genre, on va aller chercher les gosses, bien sûr. Il y a Soljan qui dit ça, bien évidemment. Donc, hein, on finit. Il y en a à la maison. Enfin, bon. On finit beaucoup de choses aujourd'hui et on va faire un petit tour sur Twitter. Déjà, avec l'actualité du moment, c'est tombé cet après-midi. Plusieurs officiels ukrainiens limogés sur fond d'affaires de corruption. Corruption en Ukraine. Qui l'eût cru? Eh bien, heureusement, hein, Volodymyr Zelensky, un chantre de l'honnêteté et de la transparence, qui a limogé des gens, il a dit. Hein. Cinq gouverneurs régionaux et quatre vice-ministres ont été démis de leurs fonctions en Ukraine, a annoncé le gouvernement mardi, après un scandale de corruption présumé dans l'armée en pleine invasion russe du pays. Là, il faut faire attention. Il y a des gens, selon Taras Melnitchouk, représentant du gouvernement auprès du Parlement, les gouverneurs des régions de Dnipro, les gouverneurs des régions hein, de centre, sud, nord et sud et de la capitale Kiev ont quitté leur poste. Le vice-ministre de la Défense, celui de la politique sociale et deux vice-ministres du développement territorial ont déjà été limogés. Donc là, ça veut dire, attention, la corruption en Ukraine, et Volodymyr Zelensky, il connaît. Il a été nommé dans les Pandora Papers. Donc, il connaît. Donc, vaste vague hein, de limogeage. Ça fait suite, hein, le point de départ de cette affaire, c'est celle-là. Hein, on en parle, on ouvre un petit peu le sujet là-dessus. Le ministère de la Défense dément des accusations de corruption. Hein. On a appris, selon plusieurs médias nationaux, le ministère ukrainien aurait passé un accord à des prix 2 à 3 fois plus élevés pour les produits alimentaires destinés aux soldats. Donc là, attention, il faut faire attention. Hein. Ça, c'est de la corruption. Hein. Le contrat signé en question pour 2023 serait de 13 milliards de hryvnias, soit 350 millions de dollars au taux actuel, selon le site d'information ZNUA. Le ministère achète des produits pertinents conformément à la procédure établie par la loi, répondu de son côté le ministère ukrainien à la Défense, jugeant fausses ces informations sorties dans la presse. Donc ça doit être du complotisme également. Il y a moyen. Donc, c'est l'une des actualités du moment hein, qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. En face, du côté de la Russie, bon, on ne sort pas non plus les trompettes. Hein. Vladimir Poutine a évoqué une pénurie de certains médicaments. Donc, le conflit avance, le conflit
continue avec un contexte qui a changé. Hein. Si on ouvre les débats avec ce contexte Russie-Ukraine, vous l'aurez remarqué, maintenant la grande question, c'est cette escalade hein, dans l'envoi d'armes. La France a envoyé déjà des canons, des choses comme ça. La France et d'autres pays de l'Occident hein, sont venus en aide à l'Ukraine avec d'autres types d'armes. Et là maintenant se pose la question des chars lourds. Alors, on avait déjà les charlots au gouvernement. Là, c'est les chars lourds. Là, il faut faire attention. Là, on commence à parler Charles Leclerc. Là, attention. En face, c'est costaud. Donc, le problème de tout ça, alors, c'est pas tant que l'Ukraine soit un peu une sorte de le bon coin des armements caducs des autres pays de l'Occident, qui se donnent bonne conscience en envoyant au feu les Ukrainiens. Le problème aujourd'hui, c'est de savoir à quel point cela place nos pays dans la liste des co-belligérants de la Russie. De l'Ukraine, excusez-moi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bon, alors tout ça sans aucune transparence, hein, vous l'aurez facilement remarqué, l'Occident envoie des armes avec la volonté de faire la paix, hein, le bien, la douceur, la délicatesse, la tendresse, mais avec du Charles Leclerc, on est loin des gratouilles avant de faire dodo. Hein. Charles Leclerc, t'as quand même une volonté de faire la guerre. Faire la guerre en envoyant des armes, je sais que c'est le discours de l'Union européenne aujourd'hui, mais il y a quelque chose qui peut sembler contradictoire. Mais toujours est-il que plus la France va envoyer d'armes, plus ça va devenir problématique. Donc il y a vraiment une question à se poser en ce sens-là. Merci à Aviator2905 qui vient de sub 11e mois, c'est magnifique, merci beaucoup. Donc on va suivre un petit peu l'évolution de tout ça, mais on voit que ça prend une tournure qui est de plus en plus inquiétante et sous cela nous place de plus en plus haut dans la liste des co-belligérants. Hein, donc. Sur le rôle de la France notamment, mais l'Allemagne également, les États-Unis bien sûr, les forces de l'OTAN globalement, ça commence à poser sérieusement problème, d'autant que c'était l'une des grandes annonces hein, de la fin de semaine dernière. Emmanuel Macron a officialisé une nouvelle enveloppe pour l'armée française à hauteur de 400 milliards d'euros supplémentaires qui seront distribués entre 2024 et 2030. L'Allemagne avait annoncé 100 milliards avec pour objectif de faire de l'Allemagne la première armée d'Europe. On assiste très clairement à un réarmement. Et quelle que soit la finalité de tout ça, hein, que ces armes soient envoyées à l'Ukraine à terme ou que, elles soient gardées par les États de l'Union européenne en l'occurrence, on assiste à un réarmement des pays quand même qui est inquiétant et qui, d'après certains livres d'histoire, hein, d'après nos livres d'histoire, un réarmement qui s'est souvent quand même terminé par un conflit. On ne réarme pas pour organiser un Interville. Hein. Enfin, ou alors ça, les règles ont changé. Mais il faut quand même faire attention à ça. Merci à KL6986 qui vient de se prime. Merci beaucoup, cher ami. Et Fredo Diabolo également qui vient de se prime. C'est le cinquième mois. Merci beaucoup. Je prends les commentaires dans le chat un petit peu, les amis. Il y a Le Prince du Lac qui nous dit « La guerre en Ukraine est de loin le sujet de préoccupation car la Russie ne baissera jamais pavillon. L'Europe met de l'huile sur le feu. Quant aux Américains, vous pouvez me dire quelle guerre ils ont gagné sur ces 50 dernières années. » Je te rejoins. Hein, je te rejoins. Il y a même Kafan qui dit également, c'est un diplomate de Moscou qui avait signalé que la France était déjà limite un ennemi de la Russie. Effectivement, c'est tombé aujourd'hui, je crois. Merci à 4-4 Yoga qui vient de sub 4e mois, merci beaucoup. Alors, pour te répondre, cher le prince du lac, hein, charmé, alors déjà, pour illustrer ce que nous dit même Kafan. On va regarder la séquence, effectivement. C'est un proche de Vladimir Poutine qui a été interviewé hier, absolument, et qui nous a dit ceci. Monsieur Tolstoï, que la guerre serait longue. La question que je me pose, c'est comment vous voyez la relation entre la France et la Russie? La France fournit des armes de plus en plus puissantes, l'Allemagne aussi, mais entre Paris et Moscou, est-ce que vous considérez aujourd'hui que la France est un pays ennemi, premièrement? Et deuxièmement, est-ce que vous envisagez que cette guerre longue puisse déborder les frontières de l'Ukraine et qu'on entre dans un conflit avec la Pologne, avec l'Allemagne, avec la France? Est-ce qu'il y a un risque que cette guerre devienne une guerre en Europe et pas simplement aux frontières de l'Europe? Écoutez, quand vous me demandez si la France est un ennemi, la France mène contre mon pays une guerre économique déjà 8 ans, 9 ans. Et la France, comme vous avez reconnu, aujourd'hui fournit aux Ukrainiens les matériaux militaires. Donc, bien sûr, la France, pour nous, c'est un ennemi, comme d'ailleurs l'Allemagne, comme d'autres pays de l'Europe qui aujourd'hui participent à une guerre du côté ukrainien, d'une façon militaire
qui aujourd'hui ne donne pas aux Ukrainiens la possibilité d'avoir les négociations avec les Russes et ne donne pas la possibilité de terminer la guerre. Donc voilà, le message est assez clair hein, pour ce monsieur qui est vice-président de la Douma, donc qui est la chambre basse du Parlement russe. On est quand même sur... ça commence à devenir hostile. Hein. Au bout d'un moment, il va falloir arrêter avec la logique de « Oui, mais nous, on envoie juste des armes, on n'a rien à voir avec ça. » Vous connaissez la maison, hein, vous soutenez qui vous voulez, je suis pas là pour ça. Mais il y a quand même un véritable problème. Il y a quand même un véritable problème sur ce genre de sujet. Je vois dans le chat, là vous allez me gronder, c'est la fessée. C'est la fessée QNU. J'ai oublié de décocher la case. Vous vous en doutez bien, on en a parlé vendredi. Je sais, ce compris sub, on des pubs. Parce que la dernière fois, je me suis promené dans les paramètres. Normalement, c'est pas moi qui touche à ça. Et j'avais coché la case, j'ai dit vendredi déjà. J'ai présenté mes excuses à la France. Et je suis parti en week-end. Enfin, je suis parti en week-end vendredi, je suis allé au bar. Jouer au baby-foot. Donc t'imagines bien que j'avais d'autres priorités. Donc non, je suis un con. Je préfère vous le dire tout de suite, je suis un crétin. Après, si j'étais un homme politique, je vous aurais noyé le poisson. Et je peux vous dire que ça aurait été une autre paire de manches. Mais non, là, c'est ma faute. J'ai clairement coché la case et j'ai clairement oublié de l'enlever. Donc je raccroche là. Dès qu'on finit le tweet, je m'en occupe. Promis, juré. Sur la tête d'Anne Hidalgo. Là, c'est officiel. Donc non, non, désolé les copains, je vais m'en occuper, vous inquiétez pas. Donc, pour revenir à cette histoire de Russie, on voit que le contexte est quand même en train de devenir plus que problématique. Et on avait ce premier point, et je voulais répondre à le prince du lac également, qui nous parlait du rôle des Américains dans ce conflit. Les Américains, alors au-delà de perdre les guerres, parce que pour le coup, il faut comprendre que... en tout cas dans plusieurs des conflits qui ont été menés depuis les années 60-70, on va dire, le rôle des Américains n'était pas tant de gagner une guerre. C'était de déstabiliser un ordre mondial en vue de défendre, voire créer de nouveaux intérêts américains. Est-ce que les Américains ont gagné la guerre froide, par exemple? Est-ce qu'il y a eu un gagnant à la guerre froide? C'est toujours un petit peu compliqué. En revanche, on voit que... on a par exemple des déstabilisations, que ce soit dans le Golfe, hein, donc on a eu l'Irak, on a eu l'Afghanistan, on a eu la Yougoslavie, on a eu plusieurs pays où les Américains sont intervenus, quitte parfois à soutenir des personnes qui ne semblaient pas franchement soutenables. On se rappelle le rôle des Américains, par exemple, avec le soutien fait aux talibans dans les années 70-80 en Afghanistan, pour contrer l'avancée soviétique, les Américains n'avaient pas hésité à armer et financer les talibans. Ce qui s'est retourné derrière avec eux, avec un certain Oussama Ben Laden. Donc on a toujours un rôle trouble au niveau des Américains. Regardez aussi les dictatures, par exemple, qui ont été installées en Amérique du Sud. On pense à Videla en Argentine, on pense à Pinochet au Chili, on pense à beaucoup de gens comme ça, dont aujourd'hui beaucoup d'archives ont été déclassées, d'ailleurs, d'archives de la CIA, et on comprend le rôle des services secrets américains dans la déstabilisation de ces pays. Fut un temps, c'était pour contrer l'équilibre soviétique. Aujourd'hui, on a une déstabilisation qui se fait dans l'intérêt économique américain. Regardez le conflit actuel Russie-Ukraine. Parmi les économies développées de l'Occident qui se portent le mieux, on retrouve les États-Unis, et de très loin. Pendant que nous, on a Bruno Le Maire qui nous incite à mettre un col roulé parce que on n'achète plus d'énergie du côté de la Russie, on va le chercher où, cette énergie? En partie chez les Américains. Donc, est-ce qu'on aura encore des conflits en Occident, j'entends, hein, des conflits de première ligne, c'est-à-dire de conflits directs, de conflits armés sur sol? Ça, je ne sais pas, et franchement, j'espère pas. En tout cas, on l'a entre la Russie et l'Ukraine. Je parle, disons, dont le premier intérêt sera une guerre de territoire, voilà ça que je veux dire, une guerre de frontières. Ou est-ce qu'on va surtout avoir des conflits comme ceux-là, où on va envoyer au feu aujourd'hui l'Ukraine? Mais peut-être demain Taïwan, qui sait, face à la Chine, avec au fond des intérêts qui sont bien plus économiques, bien plus géostratégiques. Alors, c'est la question qui se pose et qu'on voit aujourd'hui dans la situation. L'industrie de l'armement se porte comme un charme. Soyez serein. Pour ceux qui sont inquiétés, il faut faire attention. Effectivement, il y a SepSep 6600 qui le dit aussi. Hein. Ce qui est inquiétant, c'est l'armement de l'Allemagne et de la Pologne également. La Pologne également, qui a mis un budget colossal pour s'armer. Notamment, je crois que c'est au niveau, là encore, des chars lourds.
Nos amis polonais sont allés chercher des chars aux États-Unis, il me semble, ce qui va faire d'eux la première force militaire sur ce domaine-là. Donc, ça devient véritablement problématique. Donc, voilà un petit peu le résumé. On va en reparler très bientôt. Il est possible qu'on en reparle très très bientôt sur Juste Milieu. Il y a une petite organisation d'un débat qui va se faire avec quelqu'un que j'apprécie, que j'admire de plus en plus. Je vous en dis pas plus, mais on risque de reparler de ça assez bientôt. Je dis ça, je dis rien. Donc, on va voir ce qu'on peut bricoler. Mais les amis, on va continuer un petit peu sur les sujets. Et aujourd'hui, le vrai sujet, voilà, que je voulais aborder avec vous, l'ami Julien Pain. Vous le savez, hein, le roi du fact-checking de France Info, qui nous explique et tout ça. Alors moi, je suis un gentil. J'ai une gueule de barbe à papa. Donc, je vais pas crier avec la meute, dire oui, il est nul, il a que comme argument la lutte contre le complotisme et tout. Non. Je pense que Julien Pain est tout à fait sincère, quelqu'un de sérieux et de compétent. En tout cas, je vais le considérer comme ça pour regarder son travail. Parce que si tu pars avec des a priori, en décrédibilisant quelqu'un, en partant du principe que c'est un abruti et ou un complotiste, voilà, ce serait la méthode de Julien. Pardon, je ne peux pas faire ça. Il faut être sérieux. Et puis moi, je n'ai pas la carte de presse. Donc, attention, en plus, donc double, je suis doublement une merde. Alors que lui, il a la carte de presse. Là. Là, faut faire attention. C'est un petit peu, tu sais, comme le bâtonnet des Men in Black, là. Ça a sûrement un nom, cette connerie, mais je ne me rappelle pas. Tu sais, quand les Men in Black, vous avez vu le film avec les Men in Black, là, qui ont un costume noir. Alors, on est en 2023, donc le wokisme est passé par là. Je pense que désormais, il faut dire les Men in couleur opposée du blanc. Parce que sinon, on va avoir des problèmes. Mais je crois que c'est, tu sais, que bon, ils chassent des extraterrestres et compagnie. Puis quand tu as des humains qui voient des extraterrestres, tu as les Men in Black qui arrivent, qui regardent, clic-clac. Et ça t'efface la mémoire, si tu veux. Et en fait, Julien Pain, je pense que c'est un peu un Men in Black. C'est-à-dire que toi, t'arrives, tu dis, tiens, c'est bizarre, si Bette Ndiaye nous a dit que les masques, ça servait à rien, alors que maintenant, c'est obligatoire. Julien Pain, il arrive, il dit, clic-clac, c'est complotiste. Voilà, t'as vu, tu te souviens de rien. Je pense que c'est un Men in Black. Je me suis creusé la question parce que. Il doit y avoir une explication. Parce que le complotisme ne peut pas être la réponse à tout. Apparemment, si, parce que là, l'ami Julien Pain nous a fait un reportage hein, qui est sur YouTube. Donc, on va faire du react. On m'a dit qu'il fallait faire ça. On regarde une vidéo, puis on commente ensemble cette vidéo donc, qui est sur l'instant détox. Tu vois, c'est la chaîne de Julien Pain. Je fais la pub. À en votre plus, hein. avis, Je dans suis ces gentil. mots-là? Je fais la pub, hein, l'instant détox. Et ça, c'est Juju, beau comme tout. La barbe est taillée, pas de problème. Il fait des vidéos, il t'explique un peu des trucs. Comment ça se passe C'est vrai, c'est pas vrai. C'est lui le chef, tu vois. C'est lui le chef de tout ça. Donc, on va regarder sa vidéo qui s'appelle Les Maîtres du Monde complotent à Davos. Alors, ça, vous l'aurez sûrement remarqué. Du 16 au 20 janvier 2023 a eu lieu le Forum économique mondial. Donc, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. On va faire une sorte d'introduction grâce à Julien Pain. On va partir de ce que nous dit Julien Pain. C'est lui, officiel, Juju El Pano. Pour savoir ce qui se passe à Davos, lui, il te dit la vérité. Et puis, alors peut-être on va pas tout faire ce soir parce qu'on en a pour 8 heures, mais cette semaine, et puis je vous préviendrai sur les réseaux sociaux, on préviendra, et puis on compactera tout ça dans une grosse vidéo. On va travailler ensemble sur Twitch, voilà, petit cycle comme ça de réflexion sur le Forum économique mondial, sur Klaus Schwab qui est à la tête hein, de cette affaire-là. Donc, on va partir aujourd'hui, on part de la base, donc de la vérité hein, que va nous donner Julien Pain. Et ensuite, bah, par exemple, la prochaine émission, on va se concentrer sur la figure de Klaus Schwab. Qui est-il? D'où vient-il? On va faire les recherches ensemble, on va commenter. Après, on fera l'historique du Forum économique mondial. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ensuite, on parlera, à mon avis, pendant plusieurs émissions, du livre écrit par Klaus Schwab qui s'appelle Covid-19, la grande réinitialisation. Tu vois, on va avoir des trucs pas trop mauvais. On va avoir des trucs pas trop mauvais. Donc, on commence aujourd'hui avec l'ami Julien Pain. J'espère que ma tronche en bas à droite ne prend pas trop de place. Sinon, vous me dites, je peux dégager. Regarde, je peux faire comme ça. Après, si vous voulez voir ma gueule, c'est comme ça. Donc, vous dites la gueule, pas la gueule dans le chat. Et puis, on voit ce qu'on fait. Et c'est parti pour Julien Pain. Le 7 janvier à Paris. Et je promène mon micro dans une manifestation de gilets jaunes. C'est quoi cette pancarte? Moi, je vois Schwab,
Soros et Bill Gates, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que vous leur reprochez à ces trois-là? Schwab, voilà, c'est une personne privée qui a monté un forum économique à Davos. Il nous dit par exemple, vous ne posséderez rien, vous serez heureux. Il y aura des gens qui auront certains droits parce qu'ils auront accès à certaines choses, et il y aura des inutiles qui auront accès à rien. Dans son livre, il est sur le Great Reset. Il veut profiter du Covid pour repartir sur un nouveau fonctionnement de la société. Pour repartir sur le Great Reset. On va voir ce qu'il y a écrit sur la pancarte du monsieur, parce que bon, déjà on connaît un technique classique. Salut à Dragonstorm, première fois sur le chat, merci beaucoup. Enfin, bienvenue, en fait, merci beaucoup pour l'instant. Tu t'es installé, voilà, merci à toi de t'être installé. Donc, technique classique, vous savez, hein, on prend un propos de quelqu'un dans un cortège et c'est la pensée de tout le cortège. Ça, désormais, on a l'habitude. C'est une sorte de rhétorique médiatique assez fastoche, c'est-à-dire que dans un cortège de 1500 personnes, vous prenez celui, alors généralement, ça faut pas le dire, hein, d'ailleurs c'est pas du tout le cas de ce monsieur, mais en général, tu prends celui qui est le plus possible la tête d'un abruti, c'est possible. Alors faut pas croiser un miroir, parce que si t'es Julien, enfin voilà. Mais voilà, tu prends celui qui a l'air le plus zinzin, voilà, effectivement. Et tu l'interviews. Alors, si possible, il dit des zizanies. Alors, vous imaginez bien, j'imagine, ça je sais pas. Je sais pas, monsieur l'Express, si jamais il y a l'Express qui écoute, je ne sais pas. Mais il est possible d'imaginer que plusieurs personnes aient été interviewées en vue de collecter le témoignage le plus ouf à mettre dans la vidéo pour décrédibiliser le mouvement. Je sais pas, hein. J'imagine, attention, je n'affirme pas. C'était Julien Pain de m'en dire. Donc, on voit hein, ce monsieur donc, qui parle de Klaus Schwab, l'intro, voilà, on prend la parole d'un gilet jaune pour poser le contexte de qu'est-ce que c'est que ce Forum économique mondial. Sur la pancarte, on voit hein, Klaus Schwab, George Soros, Bill Gates, que vous connaissez, j'imagine. Tentative de destruction des nations au profit du nouvel ordre mondial. Alors, tentative de destruction des nations, moi j'ai du mal à contredire. Mais le reste, je ne dis pas, tu vois, j'en casse mon bic. Appauvrissement des populations au profit des multinationales, manipulation des opinions publiques. Alors, on ne voit pas où ce qui est écrit au niveau des ONG, donc ça, c'est plus pour George Soros. Contamination et volonté de réduire les populations du monde par de faux. J'imagine qu'il y a peut-être écrit vaccin en dessous. Oui, vaccin et traitement. Donc, effectivement, la pancarte est un petit peu musclée. Monsieur est un petit peu musclé, mais on continue. Hein. Comment Julien Pain va utiliser cette matière pour nous expliquer si les maîtres du monde complotent à Davos? C'est le titre de la vidéo. Pour repartir sur un nouveau fonctionnement de la société. En gros, la philosophie, vous pensez, de son livre qui s'appelle Le Great Reset, c'est quoi la philosophie de son livre? La philosophie de ce Great Reset, c'est... Alors, si je peux me permettre, monsieur Julien Pain, parce que le livre s'appelle Covid-19, la grande réinitialisation. Voilà. Non, parce que vous avez dit juste The Great Reset, donc c'est une fake news. Non, je déconne, je suis pas aussi con. Sous prétexte de l'environnement, une liberté conditionnelle. Ah, vous pensez qu'en faisant semblant de lutter contre le réchauffement climatique, ils vont nous faire passer toute une série de mesures pour en fait contrôler la société? Voilà. On est plutôt là-dessus. C'est ce qu'il dit. À Davos, vous pensez qu'ils se décident quoi? Ils se préparent quoi? Qu'est-ce qui s'y passe? En fait, il y a des directives qui sont données aux chefs d'État, puisqu'il y a beaucoup de chefs d'État qui y vont. Mais on est bien d'accord que vous pensez donc qu'à Davos... Donc, qui a été fondé par ce monsieur Schwab, oui. Ce qui se passe, c'est qu'on donne carrément des directives à des chefs d'État et à des chefs d'entreprise sur quel doit être le monde de demain. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Le forum de Donc Davos. Là, Julien Pain a obtenu les arguments. Il a les éléments. Alors, de toute façon, là, pour le coup, il n'y a pas trop de travestissement de pensée, mais vous notez, hein, si on analyse un petit peu morceau par morceau, la technique d'interview qui est très intéressante et qui est courante dans nos médias. Sûrement cette semaine, on regardera ensemble des morceaux de Michel Onfray qui était sur BFM TV il y a quelques jours. Je l'ai regardé en intégralité, c'est du miel. Du miel entourant du foie gras, entourant un livre de Roselyne Bachelot. Je veux dire, tu frises le diabète à chaque page. Technique d'interview classique que vous pouvez observer, hein, soyez attentifs dans les médias. Vous interviewez quelqu'un, si possible, qui n'est pas rodé à cette technique de merde, et qui sont, à mon avis, manipulatrices, mais c'est pas le débat. Vous dites, bon ben voilà, alors, ça c'est une gourde. Oui, il y a de l'eau dedans. Oui. Cette gourde, elle est dans votre main. Oui. Cette gourde, elle pourrait aussi contenir du vin. Oui. Donc vous êtes en train de dire que dans cette gourde, il pourrait y avoir du vin. Est-ce que vous êtes alcoolique, monsieur? Donc, c'est très clairement le fait
de mettre des éléments dans la bouche de quelqu'un et de ne lui demander qu'une simple confirmation. Et là, ça devient problématique, parce que c'est fastoche de dire « vous avez bien dit que » et de reformuler rapidement en intégrant d'autres éléments qui n'ont peut-être même pas été dits. Là, en l'occurrence, soyons tout à fait clairs, là, en l'occurrence, il n'y a pas vraiment ce genre de problème. On a des reformulations, vous noterez, qui sont toujours un grade au-dessus, qui sont toujours un niveau au-dessus de ce qu'a dit le monsieur. De sorte à, si on a confirmation, c'est que c'est bien le cas. Ce que je vous dis est peut-être un peu banal, mais vous noterez que cette technique, elle est assez courante, c'est une sorte de reformulation superflue pour attribuer des propos à une personne qui n'ont pas réellement été dits par cette même personne. Davos serait donc le lieu où se fomentent tous les complots, où se décide l'avenir des... Voilà, et en voix off, t'as vu, j'ai laissé 4 secondes, on peut pas le laisser tranquille, Julien. 4 secondes, il transforme la séquence d'entrée en « Davos serait le lieu où se fomentent tous les complots ». Là, pour le coup, ça n'a pas été dit, du tout. Je vous la remets, hein, parce que vraiment, on va te décortiquer sérieusement ce truc-là. Fondé par ce monsieur Schwab, ce qui se passe, c'est qu'on donne carrément des directives à des chefs d'État et à des chefs d'entreprise sur quel doit être le monde de demain. Oui, c'est ça. Ouais. Le forum de Davos serait donc le lieu où se fomentent tous les complots. On est d'accord que ça n'a jamais été dit. Parce que d'ailleurs, c'est paradoxal de faire la chasse aux complots en estimant qu'à Davos se trament des complots. Enfin, faut savoir de quel côté sont les complots, en vérité. Là, j'avoue que directive se transforme en complot. Il y a 77-6700 qui le pointe. Vous noterez, hein, là, la fake news, elle est manifeste. Si on se met au niveau de Julien Pin, c'est assez incroyable. C'est-à-dire que le monsieur, aussi fin soit-il, aussi complotiste soit-il, directive se transforme en complot. C'est fort de café, comme disait ma grand-mère. Se décide l'avenir des peuples derrière des portes fermées. Alors qu'y a-t-il de vrai dans tout ça? Voilà, qu'y a-t-il de vrai dans tout ça? Parce que Julien Pin peut te dire la vérité. Alors qu'il vient de travestir un propos, ça fait 1 minute 37 de reportage, ça va être long, mais il peut te dire la vérité. Voilà, bon, au moins on sait que la Suisse, ça existe. C'est encore de se rendre sur place. Donc en route pour Davos, une petite station de ski perchée dans les Alpes suisses. C'est là qu'est né le Forum économique mondial, il y a plus de 50 ans. La sécurité est impressionnante, même si elle tâche de se faire discrète. Voilà, la sécurité tâche de se faire discrète, t'as des miradors avec des snipers. Hein, c'est quand même pas Thierry qui fait la sécurité du bal du village. Hein, bon, après voilà. Voilà, il y a Numérum qui le dit, hein. Carrément des snipers sur le toit, mais attention, elle tâche de se faire discrète. C'est le principe d'un sniper. Donc là, c'est bien formulé. À l'intérieur, les personnalités, elles aussi, préfèrent la discrétion. On sait par exemple que les frères Klitschko sont là, deux anciens boxeurs devenus des figures de la résistance ukrainienne. Mais ils parlent peu aux médias. Pour obtenir des interviews, je dois me rendre dans les conférences et tenter d'intercepter les personnalités. C'est ce que j'essaie de faire avec Klaus Schwab. Cet économiste a créé le forum de Davos. Et sur les réseaux sociaux, il est peut-être la cible numéro un des complotistes. Il est voilà. Même accusé donc, d'avoir... Donc, Klaus Schwab est la cible, alors je reprends ce que nous dit l'ami Julien Pin en voix off, c'est la cible numéro un des complotistes. En sachant que Julien Pin soupçonne le forum de Davos d'être l'endroit où se trament des complots. Donc l'accusation de complotisme est tellement géniale, enfin la réductio ad complotum est tellement géniale que ça marche dans tous les sens. C'est-à-dire que le complotiste, c'est à la fois celui qui complote et celui qui imagine des complots. Alors là c'est formidable. Je veux dire, c'est bon, à chaque fois, vous savez que je vous fais mon petit laïus là-dessus, mais c'est toujours le système parfait qui avait été inventé par Freud concernant la psychanalyse. C'est-à-dire que toi, t'arrives, tu t'allonges sur son divan. On te dit, voilà, tu racontes ton dernier rêve à la con. On te dit, bah, en fait, vous voulez baiser votre mère. Toi, tu arrives, tu dis, bah non, quand même, je sais me tenir. Et on te dit, mais monsieur, c'est très simple, vous refoulez. C'est-à-dire que dans votre inconscient, vous avez envie de le faire, mais vous n'êtes pas conscient que vous avez envie. C'est toute l'escroquerie de l'inconscient. Enfin, l'escroquerie, je vais vite en besogne, je caricature, mais... C'est la logique d'un système parfait de Freud, du système parfait de Freud, c'est-à-dire que vous êtes toujours du mauvais côté. Soit vous acceptez que vous voulez baiser votre mère, soit vous refoulez. Et là, avec la lutte contre le complotisme saveur Julien Pin, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que
Le complotiste, c'est celui qui, de son côté, complote pour déstabiliser la société et qui imagine également qu'il y a des complots ailleurs. On s'en sort plus, quoi. En fait, t'es toujours du mauvais côté. Planifier la pandémie pour mieux asservir les populations. Et là, attention, grand moment, Julien Pin interview Klaus Schwab. Donc, on a des accusations qui sont portées contre Klaus Schwab, c'est-à-dire de désorganiser la société, des accusations graves, hein, et qui sont peut-être complètement infondées, hein, et des accusations graves où on accuse Klaus Schwab, en tout cas, un manifestant accuse Klaus Schwab de vouloir réduire la population, de créer de faux vaccins et compagnie. Julien Pin va poser la question à Klaus Schwab, voilà, hein, armé apparemment de toute sa naïveté, avec Klaus Schwab qui, on l'imagine, va dire « Oh, monsieur Pin, vous m'avez bien eu, effectivement, j'avoue, je veux tuer la moitié de la planète et créer un nouvel ordre mondial. Vous êtes un sacré intervieweur. » Voilà, Julien Pin, la méthode là, c'est d'aller interviewer celui sur qui pèse des soupçons d'une organisation qui pourrait mettre à genoux le monde entier. Et Julien Pin va poser la question au monsieur. C'est-à-dire que tu regardes Star Wars, vous savez que c'est un exemple que j'aime bien. Tu regardes Star Wars, je veux dire, bon, c'est pas non plus le banquet de Platon. Tu vois. Tu regardes Star Wars et on t'explique que Palpatine, il joue un double jeu. Tu vois. Il est un peu méchant, mais tu le sais pas parce qu'il a une capuche, et après il est gentil. Et il joue au sénateur qui veut rétablir la République. Enfin, défendre la République. Et c'est-à-dire que Star Wars, pour Julien Pin, c'est d'une complexité hors du commun, hein, apparemment. Donc rendez-vous compte. Et là, Julien Pin va interviewer Klaus Schwab. Vous avez compris l'idée, c'est absolument ridicule, mais on va écouter. Je suis journaliste pour le service public en France. Je voulais vous poser une question. Je travaille sur la désinformation et les fake news. Vous êtes la cible de fake news très régulièrement, notamment votre livre, Le Great Reset. Voilà. Vous êtes la cible de fake news. Donc au moins, la question est claire. C'est-à-dire qu'il ne part même pas du principe que ce que on dit les gens pourrait être vrai. Vous êtes la cible de fake news. Donc au moins, vous avez compris l'indépendance de la question. C'est-à-dire, il pourrait simplement demander est-ce que ceci est une fake news ? Non, vous êtes la cible de fake news. À ce prix-là, ça va me faire l'interview. Comment vous réagissez par rapport à toutes ces théories du complot ? Ça me rend très triste. Pratiquement tout ce qui est dit sur moi est faux. C'est un problème global. Ce n'est pas un problème uniquement pour le forum de Davos, c'est un problème de société. Comment s'assurer que les nouvelles technologies dont nous disposons ne sont pas utilisées à mauvais escient ? Ce forum est une cible facile, parce qu'il est très couvert par les médias. J'aimerais que les gens qui attaquent le forum ou qui m'attaquent moi lisent mieux ce que j'écris ou ce que je dis. Parce que quasiment toutes les citations de moi qui circulent sont fausses. J'étais dans une manifestation en France et quelqu'un m'a dit que vous donniez des ordres au chef d'État. Voilà. Je vous l'ai expliqué en début de vidéo, ce fameux extrait du monsieur qui est interrogé en début de vidéo, on sort son propos, et voilà, ça devient le cœur du réacteur, alors que pourquoi monsieur Pin ne va pas poser la question à des gens qui ont travaillé sur le sujet, qui ont travaillé sur le mondialisme, sur la question du mondialisme, que ce soit économiquement ou géopolitiquement, des gens qui ont réellement lu ce bouquin de Klaus Schwab. Julien Pin prend un monsieur dans une manifestation, et il arrive vers Klaus Schwab et il lui dit « Il y a des fake news sur vous. » Mais pourquoi on n'a pas d'un côté un son de cloche de gens qui expliquent pourquoi c'est une fake news, et de l'autre côté des gens qui expliquent pourquoi tout ceci est vrai. Et ça, c'est un reportage fait pour France Info qui est réalisé avec de l'argent public. Mais quel est le sérieux de cette interview ? C'est sidérant. Qu'en fait, vous dirigez le monde. C'est comme ça qu'on vous voit. C'est complètement ridicule. C'est de la pensée magique. Ce que l'on fournit, c'est une plateforme où tout le monde peut exprimer son opinion. Je ne prends pas souvent... Une plateforme, donc le Forum économique de Davos, c'est une plateforme où tout le monde peut exprimer son opinion. Bon, il faut juste passer les snipers qui sont sur des miradors à l'entrée. Après, c'est bon. Après, tu peux exprimer ton opinion. La parole, à part pour expliquer pourquoi nous avons choisi cette thématique pour le forum.
Mais vous n'entendrez jamais de ma part une déclaration politique ou économique. Bon, alors là, vous n'entendrez jamais de ma part une déclaration politique ou économique. C'est pas que je veux pas, Klaus, hein, mais... c'est compliqué quand même. Hein. C'est compliqué. Hein. Parce que en fait, tu prends votre livre, hein, Monsieur Schwab. Hein. Tu prends le livre. Hein. Et c'est la tuile. Hein, parce qu'il y a quand même un petit peu d'économie. Hein. Il y a quand même un petit peu. Hein. Tu vois. C'est con parce que je l'ai sous les yeux. Mais tu vois, Klaus Schwab qui dit, vous n'entendrez jamais hein, des propos économiques. Alors, effectivement, hein, Mera Alakins qui le dit dans le chat, très bien vu. Alors. C'est con parce que ça s'appelle quand même un forum économique. C'est la tuile. Et puis, dans le livre, tu as toute une partie de pages 39 à 80 qui s'appelle réinitialisation économique. Avec des parties, par exemple, le sophisme économique consistant à sacrifier quelques vies pour sauver la croissance. À quoi pourrait ressembler la croissance future? Politique fiscale et monétaire. Le sort du dollar américain. Bon, alors, je suis pas Thomas Piketty, mais il me semble que ça ressemble à de l'économie, quand même. Hein. Et ça, Julien Pain, s'il avait lu le sommaire du livre, tu vois, c'est pas beaucoup. Hein. Franchement, tu peux t'en sortir, Julian the Bread. Il a pas fait. Donc, Klaus Schwab lui dit une fake news. Hein, on se le réécoute dans le doute. Hein. Mais vous n'entendrez jamais de ma part une déclaration politique ou économique. Anyway. Ouais. Puis, tu vois, bon, on va faire... Parce que c'est vrai que Julien, lui, il peut te dire, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Donc, si là, il n'intervient pas, c'est que ce n'est pas vrai. Mais tu vois, si par exemple, tu tapes Klaus Schwab croissance, Klaus Schwab économie, tu vois. Tu as vu, je me suis pas foulé un gland hein, sur ça. Tu peux trouver hein, Klaus Schwab qui parle d'économie. Regarde, c'est sur CNN, donc c'est de l'anglais. Global economy is out of balance, says World Economic Forum Fund. Isn't the reality, though, that if shut down, everybody else is open? Number three. Mention. We cannot prevent a war in Ukraine. We cannot take away COVID and so on. But we can create coordinated responses to those challenges. And that's what we are doing. And those challenges... On peut regarder la vidéo en entier, hein, Global Eco. On est d'accord que Klaus Schwab dit n'importe quoi, voilà, hein, officiellement à Julien Pain, qui là, pour le coup, apparemment, a pas pris son détecteur avec lui de vérité. Et donc, Klaus Schwab lui dit tout à fait tranquillement, je vous n'entendrai pas un propos de ma part d'économie, mensonge clair et avéré, ça ne fait pas réagir Monsieur Pain. Rien qui pourrait influencer les personnalités politiques. Thank you very much. Thank you very much. Klaus Schwab ne serait donc que l'organisateur d'une conférence, le reste ne serait que fantasme. Voilà. C'est une supposition. Klaus Schwab est en fait plus ou moins, si tu veux, un animateur de loterie dans le Calvados, en fait. Il fait un événement pour voir ses potes une fois par an, mais ça va pas plus loin. Et le reste ne serait que fantasme. Mais on va voir la suite du documentaire. Peut-être qu'il y a des révélations. Essayons de vérifier ça en nous plongeant dans les arcanes du forum. Ce qui est sûr, c'est qu'une grande partie de l'élite mondiale défile à Davos. Ici, par exemple, côte à côte, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et la première dame ukrainienne, Olena Zelenska. Tout le monde tente de faire sa publicité, et le président de la FIFA n'est pas en reste. Voilà. Gianni Infantino, je sais que l'ère écolo est au recyclage d'ordures, mais quand même... Oh, Gianni Infantino, patron de la FIFA. Là, je pense que Julien de Bread, il peut juste au moins mettre un petit bémol. Voilà. Petit bémol de quand même le discutable président de la FIFA. Non. Il dit, t'as vu, même lui, il est là. C'est que ça va. C'était tout simplement le meilleur mondial de l'histoire. Le plus beau, avec le plus d'émotions.
avec une émotion incroyable et avec un message très important en ce moment, c'est que le football unit le monde. Voilà. Mais cette année... Là, c'est Gianni Infantino qui l'a dit. On sort tout droit d'un mondial, 6500 morts sur les chantiers, de la corruption en veux-tu, en voilà, de la propagande pour le Qatar à travers plusieurs États, le Qatar lui-même pris dans une affaire de corruption au niveau de l'Union Européenne, enfin, tout va bien et tous ces gens-là sont du côté de Davos pour ce qui n'est qu'un forum, c'est ce qu'a dit Julien. Attention. Et le forum attire un peu moins les chefs d'État, en tout cas au niveau européen. Mais Olaf Scholz, chancelier allemand, a fait le déplacement. Nous avons une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Le danger, c'est que le monde se fragmente, que la globalisation recule et que l'on s'éloigne les uns des autres. Emmanuel Macron, lui... Donc, petite parenthèse, je suis un petit peu relou à couper, mais c'est vraiment pour bien comprendre aussi les fondements politiques. On y reviendra dans les émissions à venir. Des petites parties comme ça, comme on s'est dit, faut pas oublier non plus que, ce que dit Olaf Scholz, chancelier allemand, le danger, c'est aussi que la globalisation s'arrête. Il faut comprendre hein, le concept politique qui unit ces gens-là, c'est un mondialisme assumé, c'est-à-dire ce qu'on vit avec l'Union européenne est une pièce du puzzle. Mais l'objectif, c'est que cela se fasse à des échelles encore plus grandes. Et après tout, regardez le rôle d'une Ursula von der Leyen, qui, d'après Julien Pain, à mon avis, doit être, si vous voulez, plus ou moins responsable de CDI du côté d'Hanovre, qui, voilà, pour lui, il n'y a pas de danger. Hein. Mais Ursula von der Leyen est une dame qui est élue, alors ça reste à discuter, parce que seulement je dirais qu'il n'est pas élu, mais après on va me rétorquer, et c'est tout à fait juste. Oui, mais en fait elle est élue par des gens qui ont été élus par le peuple au niveau européen. Donc il y a une sorte d'élection indirecte, et, oui d'accord. Mais en tout cas elle n'est pas élue directement par le peuple. Voilà. Une élection indirecte si on le veut, et encore, par une logique de grands électeurs. Donc des grands électeurs qui sont les parlementaires européens, certains qu'on a retrouvés dans des affaires de corruption, donc ça en dit long déjà sur la mentalité de ces gens-là. Mais Ursula von der Leyen, c'est une dame qui, fondamentalement, n'a pas de mandat populaire direct, enfin n'a pas de mandat démocratique direct, a des responsabilités somme toute limitées, et qui pour autant engage plus de 400 millions d'Européens dans une guerre, en autorisant l'envoi d'armes, en créant des enveloppes, on ne sait pas trop comment, avec des centaines de millions d'euros qui pèsent sur les finances de chaque État, dans des proportions différentes, mais il faut comprendre que une globalisation, la globalisation qui est le mot gentil du mondialisme, qui est le mot gentil du nouvel ordre mondial, et je le dis sans trembler du museau, Nicolas Sarkozy, déjà en 2008, parlait de nouvel ordre mondial, donc il n'y a pas vraiment de problème avec ça. Plus l'instance est grande, plus les instances de direct... Enfin, l'entité est grande, plus les instances de direction sont appelées à être floues et antidémocratiques. Comment voulez-vous, de toute façon, que quelqu'un soit à la tête de l'Union européenne? On ne peut pas faire voter 400 millions de citoyens. Enfin, ce serait inconcevable. Donc, de toute façon, on est obligé de passer par des instances qui font tampon pour ensuite nommer quelqu'un. Mais ce qui favorise forcément ce qu'on voit avec Ursula von der Leyen. Et donc, le mondialisme, c'est, dans la conception démocratique des choses, peut-être un peu un paradoxe, mais c'est cela, mais pour une plus grande échelle encore. Et donc, Olaf Scholz, sans trembler du museau, arrive au World Economic Forum et dit... L'un des problèmes actuels serait que le globalisme s'arrête. Ces gens se retrouvent aussi au même endroit car ils se retrouvent autour des mêmes idées. Il ne viendra pas. À l'heure où les mouvements de contestation gonflent en Europe, il aurait peut-être été mal vu de s'afficher avec la jet-set du monde entier. La Chine, en revanche, a envoyé son vice-premier ministre. Il vante surtout les succès économiques de son pays. En 2023, nous allons continuer à progresser, tout en préservant la stabilité. En coulisses, des délégations chinoises assurent le service après-vente. Ici, une présentatrice vedette de la télévision. Il y a eu beaucoup d'incompréhensions à propos de la Chine. Dans la déclaration de notre vice-premier ministre, il l'a dit très clairement, le premier objectif de la Chine, c'est le développement économique. À Davos, la guerre... Petite parenthèse aussi, hein, car les formulations sont très intéressantes. Là, vraiment, on se fait plaisir à analyser même ce que dit hein, Julien Pain. Alors que aucun doute possible sur Claude Schwab, à qui on pose des questions qui n'en sont pas, en disant « Monsieur la victime, êtes-vous victime ?»
Parce qu'il y a des gens qui disent que vous n'êtes pas victime. Ah bon. Donc on interroge les principaux concernés pour avoir un avis sur une question, ce qui est assez formidable. Et par contre, le langage, la syntaxe change quand on arrive sur la Chine. Avec là la présentatrice du journal télévisé qui fait le service après-vente. Ça veut bien tout dire. Là par contre, on a même dans le choix des termes, on le ressent. Peut-être que c'est capillotracté de ma part, mais on le ressent de manière assez manifeste. Les partis pris sont évidents et tournent un petit peu au ridicule. Pour voilà, quelqu'un qui nous dit « Forum de Davos entre intox et réalité ». Donc quelqu'un qui vous montre la réalité. Attention, là vous avez la réalité sous les yeux. La guerre en Ukraine est évidemment au centre des débats. Les Ukrainiens sont donc très représentés. Les frères Klitschko ont fait le déplacement, malgré l'actualité brûlante dans leur pays. Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, et son frère Vladimir. Les deux anciens champions sont là pour solliciter le soutien de la communauté internationale. Je tente de les aborder dans un couloir. Et pour eux, les fake news, c'est très concret. Cette semaine à Dnipro, les Russes ont bombardé un immeuble et ils ont tué des dizaines de personnes. Et ils disent qu'ils n'ont jamais fait ça, qu'ils ne tuent jamais de civils. Comment vous réagissez à ça? Ils mentent en permanence. Ils mentent à leur population en Russie. Ils mentent au monde extérieur. Ils mentent dès que les choses ne vont pas dans leur sens. Alors ce qu'ils essaient de faire, c'est tout simplement de recréer leur empire. Mais ils ne peuvent pas gagner. Aucune chance. La volonté du peuple ukrainien est plus forte que jamais. Donc moi, alors bien évidemment, on va tout de suite être très honnête. Ce que je vous dis là, je ne le dirai pas en face des frères Klitschko. Hein, eu égard à la notion de longévité que je tiens quand même à avoir passé les 40-50 ans, je suis bien trop lâche pour dire ça d'anciens boxeurs poids lourds. Donc là, je suis bien dans mon siège de Twitch. Mais passer ce petit moment de lâcheté, là, on peut gentiment parler de parti pris sans trembler de la truffe. On a quand même Monsieur Pain qui pose la question à une personne qu'il juge être une victime. Donc là encore, en termes de transparence sur le rapport aux faits, il faut se lever de bonne heure pour trouver ça honnête. Et on a quelqu'un qui a choisi son camp, mais sous couvert de entre intox et réalité. Alléluia. Entre intox et réalité. Par contre, ce monsieur n'interroge pas Monsieur Klitschko sur ce qui s'était passé aux abords de la centrale de Zaporojje, où dans un premier temps, l'Ukraine disait « Ce sont les Russes qui attaquent autour de la centrale. Attention à l'accident nucléaire, c'est très très grave. » Et la communauté internationale qui disait « Non, mais là, les Russes, ils abusent, c'est la guerre mondiale, danger nucléaire. » Tout ça pour qu'au bout du compte, Volodymyr Zelensky lui-même reconnaisse que certaines frappes ont été menées par les forces armées ukrainiennes. Donc, vous connaissez la guinguette. L'idée, c'est pas de dire un tel ou un tel a raison, mais que quand on fait un reportage entre intox et vérité, alléluia, on évite peut-être de poser la question directement aux personnes concernées, qu'on présente comme des victimes, parce que déjà ça, c'est une question de parti pris, et ensuite, on apporte un contrepoids. Parce que là, d'attribuer le monopole du mensonge aux Russes, je ne suis pas en train de vous dire que ce sont des enfants de cœur très loin de là, mais c'est peut-être un petit peu léger. Et ça, c'est un monsieur qui est missionné par France Info, par la télévision publique. Donc, vraiment, le niveau de parti pris et de propagande, et je pèse mes mots, parce que là, on a la défense d'un discours. Et je ne suis pas en train de vous dire ce que dit M. Klitschko est vrai ou pas, mais c'est en termes d'équilibre, de contraste dans le propos, où c'est assez sidérant de constater ça. Merci 96 d'un fromage qui vient de 8e mois. Merci beaucoup. On continue. Je travaille sur les fake news, c'est ma spécialité. Et pourtant, voilà. Je suis alors, toujours... C'est tellement sa spécialité que M. Schwab lui a dit dans son reportage que jamais on ne l'avait entendu parler d'économie. Eh bien putain, s'il faut être spécialiste des fake news pour s'en prendre une sous le pif aussi rapidement sans trembler du museau, eh bien putain, j'ai hâte d'être spécialiste des fake news. Pour étonner par la façon dont la Russie propage de la désinformation. C'est presque inédit. En ce moment même, ils essaient de détruire les infrastructures vitales de notre ville. Ils veulent qu'on meure de froid, qu'on affronte l'hiver sans chauffage, sans électricité et sans eau. C'est quoi ça? Ce sont des crimes de guerre. Et leurs explications sont toujours des mensonges. C'est pour ça que les médias sont importants, une information objective et vérifiée.
Là encore, je trouve ça, peut-être Julien Pin va-t-il le dire dans la suite de ce reportage, mais je trouve ça dommage parce que l'accusation de crime de guerre est unilatérale. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était il y a très peu de temps, c'était au début de l'année, on avait, en tout cas d'après les forces ukrainiennes, ce qui a été plus ou moins confirmé d'ailleurs ensuite par les Russes, une soixantaine environ de soldats russes morts du côté de Makivka. Vous avez peut-être vu passer ça, c'était au tout début de l'année 2023, où beaucoup de gens se targuaient de... beaucoup de gens, en tout cas, dans des commentateurs, des éditorialistes, disaient, voilà, les Ukrainiens ont frappé fort, plusieurs dizaines de soldats russes tués dans des frappes ukrainiennes. C'est la guerre, c'est terrible, un mort, c'est un trop, quel que soit son uniforme. Pas attendu pour dire une banalité, mais c'est quand même bien de le rappeler, faudrait pas que Julien Bain m'accuse de complotisme. Attention. Donc, on a eu ça. Et en fait, plus on creusait, et notamment c'est Libération qui avait fait un édito dans son édition du 2 ou 3 ou 4 janvier, ce sera vérifié, il y a un article sur Justement, on n'en avait pas poté, un édito de Libération qui dit « Cette frappe, les soldats russes étaient stationnés dans une école ». En fait, le cœur de l'article, c'était de dire les soldats russes se sont fait avoir par leur téléphone, c'est-à-dire à cause des smartphones, ils se sont fait localiser, on leur a tiré dessus. Sauf que, sur le fond, on choisit son camp, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on n'applaudit pas. Ce qui est intéressant, c'est que les forces ukrainiennes ont bombardé une école. Il peut y avoir qui que ce soit dedans. C'est un crime de guerre. Pas les écoles, pas les hôpitaux. C'est comme quand tu t'embrouilles avec quelqu'un, pas la maman, pas les vêtements. Et là, on n'a pas entendu ça. On n'a pas entendu même une nuance sur le discours de dire « Bon, bah super, nous on soutient l'Ukraine, donc c'est bien. Des soldats russes sont morts. Par contre, c'était une école, donc ça se fait moyen. » Personne n'est venu dire ça. Imaginez la situation inverse, avec les forces russes qui auraient visé directement une école. Et là, on a Julien Pin qui fait le service après-vente, comme il aime à dire, qui vient tout de suite avec un parti pris. Je veux dire, comment voulez-vous interviewer sérieusement quelqu'un avec des questions aussi fermées ? Bonjour, monsieur la victime, vous êtes victime, est-ce que vos agresseurs sont des méchants ? Mais c'est pas sérieux, et c'est une banane qui vous dit ça, c'est moi, une banane, j'ai pas ma carte de presse, j'ai pas fait d'école de journalisme, mais c'est sidérant en termes d'honnêteté intellectuelle de voir ça. Et surtout, s'il vous plaît, ne croyez jamais ce que disent les médias russes. Leur argument principal, c'est de dire que les Ukrainiens sont des nazis. Ils le répètent tout le temps. Ça doit vous énerver, ce genre de discours. Vous seriez, vous, des nazis. Faites une recherche sur Google. Regardez ce que c'est le fascisme. Et je suis sûr que vous verrez le parallèle avec ce qu'il se passe aujourd'hui, avec la Russie qui attaque l'Ukraine. En Allemagne, ils ont un dicton que j'aime bien. Ils disent que les mensonges ont de petites jambes et tu ne cours jamais très loin avec de petites jambes. C'est exactement ça. La vérité sort toujours et on ne peut pas la cacher. Pareil, je vois un SebSeb6600 qui le relève dans le chat. J'espère que je ne vous embête pas à tout couper en permanence, mais j'avais hâte de le commenter avec vous, ce documentaire-là, parce que je trouve ça sidérant, vraiment. Je trouve ça sidérant de bêtises, de mauvaise foi, de parti pris. N'hésitez pas si vous trouvez que j'interviens trop, hein, mais la question est posée, alors déjà avec une simplicité, mais vraiment un haricot vert s'en sortirait mieux en termes d'oration, tu vois. Enfin, en termes de qualité d'orateur, d'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'oration se dise, mais qu'importe. Les Russes disent que les Ukrainiens sont des nazis. Il n'y a pas la nuance de le projet russe, c'est de dénazifier le pouvoir et les forces armées ukrainiennes. On a vraiment une généralisation qui est géniale. Les Russes disent que les Ukrainiens. Au moins, pour quelqu'un qui, dans d'autres vidéos, sur d'autres thèmes, vous expliquera qu'il ne faut pas généraliser, qu'il ne faut pas essentialiser, qu'il ne faut pas caricaturer. Les Russes disent que les nazis sont des Ukrainiens, que les Ukrainiens sont des nazis. Allez, à circuler voie 12. Donc déjà, ça, c'est que du plaisir. Et ensuite, le bataillon Azov, ça n'existe pas. Moi, Monsieur Klitschko le dit, je cherche sur Internet, bataillon Azov, dont on nous a parlé dans la fameuse usine d'Azovstal, hein, le,
le régiment hein, qui s'était battu dans une usine. Cette fameuse bagarre hein, dans une centre industrielle ou une usine, je ne veux pas dire de bêtises, mais cette bagarre d'Azovstal où on avait, le monde avait parlé des gueules cassées d'Azovstal, n'hésitant pas à comparer aux poilus. Donc, moi, qu'est-ce que c'est Azovstal ? Wikipédia, alors Wikipédia, on va me dire, c'est pas bien non plus. Mais le régiment Azov, on connaît, est une unité de la garde nationale ukrainienne basée à Mariupol sur la mer d'Azov, formé en 2014 durant la première phase de la guerre russo-ukrainienne en tant que bataillon paramilitaire de volontaires d'extrême droite avec des affiliations néo-nazies. Lors de la guerre du Donbass de 2014, le bataillon est accusé de violation des droits de l'homme, dont des détentions arbitraires, exécutions sommaires et tortures. Le régiment est engagé dans la guerre contre l'invasion russe de l'Ukraine et célèbre pour sa défense acharnée de l'usine métallurgique Azovstal, voilà, l'usine métallurgique Azovstal de Mariupol. Donc on a toute une partie voilà, que vous lirez si ça vous intéresse sur l'aspect néo-nazi du bataillon Azov, que c'est la partie qu'on retrouve t'as des faits d'exaction, ça, c'est terrible, mais c'est la guerre. T'as des faits d'antisémitisme, d'homophobie, l'idéologie. Donc t'as toute la partie sur le néo-nazisme, hein, je vous lis un petit peu. Le régiment Azov est décrit initialement comme une milice d'extrême droite liée à l'idéologie néo-nazie et d'être liée à l'idéologie suprémaciste blanche. Des membres portent des symboles nazis ou SS et expriment des points de vue néo-nazis. Le groupe reprend comme insigne la Wolfsangel et le soleil noir, qui sont des symboles néo-nazis également. Des soldats du régiment ont été vus portant des symboles nazis sur leur uniforme. En septembre 2014, la chaîne de télévision allemande ZDF diffuse des images de combattants Azov munis de masques arborant la croix gammée et les runes SS de l'infâme corps d'élite en uniforme noir de Hitler. Donc, c'est Wikipédia, on va me dire tout est faux, c'est complotisme. Pas de problème, je vous ai lu, maintenant vous êtes prudent, attention, c'est n'importe quoi ce qui est écrit. Il y a toutes les sources, vous les parcourez, hein, regardez, voilà. Il y a toutes les sources qui sont là, sur des articles différents, Foreign Policy, le Daily Telegraph, le Hill. Voilà, vous regarderez, hein, vous regarderez la page si ça vous intéresse du régiment Azov. Alors, bien sûr, bon, ça doit être faux, c'est Wikipédia. Voilà, vous avez vu, je mets des guillemets, je suis prudent. Mais déjà, on a donc ce raccourci terrible de Julien Pin qui essentialise les Russes, qui sont tous des méchants, qui accusent les Ukrainiens de tout ça des nazis, donc déjà c'est sidérant de bêtises. Et ensuite, on a cette question-là, c'est-à-dire que c'est n'importe quoi, il n'y a aucune question de néo-nazisme en Ukraine. Rappelons-nous, c'était cette séquence de Volodymyr Zelensky, il faudrait que je vous la retrouve. Quand Zelensky était devant les parlements était devant le parlement grec avec deux membres de du bataillon Azov, et il y avait eu un propos sur le néo-nazisme. Bon, je vais pas le chercher, alors on va continuer le reportage où je retrouverai ça, on en reparlera. C'est sidérant de raccourcis, c'est sidérant de bêtises et c'est sidérant d'aveuglement. Il faut accepter qu'il y a, en tout cas sur ce bataillon, une dimension néo-nazie, qui ne fait pas de tous les Ukrainiens des néo-nazis, bien évidemment, mais quand Volodymyr Zelensky parlait de Stéphane Bandera, collaborationniste terrible de la Seconde Guerre mondiale, nazi convaincu, et que Bandera et que Zelensky en parlait comme, bah, je crois qu'il n'a pas parlé de symbole très exactement, mais que c'était quelqu'un plutôt bien, qui n'a pas condamné ce monsieur, ça fait mal, quoi. Ça fait mal, alors que ça fait 60 ans que nous nous battons contre ces démons-là, contre ces fantômes-là, et qu'aujourd'hui, tout à coup, c'est pas si évident que ça, c'est pas si évident que ça. Les insignes du bataillon Azov, c'est pas si évident que ça. Et Julien Pin, qui fait le service après-vente, qui arrive et qui explique, non, mais en fait, les Russes disent que les Ukrainiens sont des nazis. C'est, la question n'est pas du tout là. C'est, y a-t-il des bataillons militaires d'inspiration néo-nazie dans l'armée ukrainienne, et est-ce que cela infuse dans le pouvoir ukrainien? Est-ce qu'il y a des visées néo-nazies dans le pouvoir ukrainien? Mais voilà, enfin, vous avez compris ce raccourci-là. C'est assez sidérant. On retourne à notre ami Pin. Vos, les figures politiques côtoient l'élite économique. Plus d'une centaine de milliardaires passent au forum cette année. Coca-Cola, Total, Pfizer, les patrons des plus grandes entreprises du monde se croisent dans ces couloirs. Même Larry Fink, le PDG de la société d'investissement BlackRock, donne une conférence au forum. Si on veut un monde où on aide plus de gens,
où les prix sont plus stables, où on peut lutter contre la pauvreté, il faut travailler dans un monde globalisé. On en parlait tout à l'heure, l'idéologie générale de tous ces gens qui se retrouvent, cette globalisation, c'est-à-dire que le point de départ de Julien Pain, c'était de tenter de démontrer si les gens qui se réunissent à Davos ont pour visée ou pas hein, d'organiser la marche du monde. D'accord ? C'est-à-dire de décider de quelle sera la marche du monde dans quelques années, 10, 20, 30, 50 ans. On a entendu Olaf Scholz, on entend M. Fink, PDG du fonds d'investissement BlackRock, donc je crois qu'on parle de 2,4 milliards de dollars, quelque chose comme ça, en fonds, donc c'est colossal. Et les deux, enfin, en tout cas de ce qu'on a entendu dans les extraits choisis par M. Pain, les deux vous parlent de globalisation, c'est-à-dire que le monde pourra être le monde si tout le monde avance dans une marche globalisée, tout le monde avance ensemble, et que donc il est nécessaire d'aller vers cette marche-là. Si tout cela n'est pas convergé vers une marche du monde dans un même sens politique, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas entendu beaucoup de souverainistes, beaucoup de communistes, beaucoup, je ne sais pas, de gens d'extrême gauche là qui se sont exprimés au World Economic Forum. C'est quand même curieux de dire que ce forum ne vise pas, n'a pas vocation à déterminer une certaine, à défendre une certaine vision du monde, alors que tous ceux qu'on entend depuis tout à l'heure vont dans le même sens. Ici, chaque entreprise défend sa vision du monde, mais aussi ses intérêts. Et personne ne s'en cache. Excusez-moi, du coup, est-ce que je peux vous poser une petite question au passage? J'en ai vraiment pour une seconde. J'en ai pour une seconde, okay. Et je vous le prends une seconde, je suis désolé. C'est Monsieur Bulke de Nestlé. Pourquoi vous venez à Davos? Pourquoi je viens à Davos? Pour m'enrichir, pour confronter les points de vue, pour apprendre des autres, pour essayer de comprendre comment les gens voient le monde et en quoi cela peut être utile pour l'entreprise. Donc j'essaye véritablement d'être un buvard. Que nous, les Européens, de manière générale, on regarde un peu trop les choses d'un point de vue européen, alors qu'on est confronté à une compétition qui n'a plus rien à voir avec ce que l'on a appris. Vous le savez, Davos, c'est un lieu qui génère beaucoup de fantasmes, avec cette idée qu'il y a une sorte de complot entre vous et les grands chefs d'État pour diriger le monde. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ça, vous? J'aimerais. Ah, vous aimeriez? J'aimerais que ce soit vrai. La réalité est très différente. Les chefs d'État viennent ici pour vendre leur soupe, hein, vendre leur pays, et essayer d'attirer les investisseurs, défendre leurs opinions. Les chefs d'entreprise viennent ici d'abord pour faire du business entre eux, il ne faut pas se tromper. Hein. La raison principale pour les chefs d'entreprise d'être là, c'est d'essayer de comprendre où va le monde et d'essayer d'ajuster leur stratégie pour faire en sorte que leur entreprise se développe plus vite que leurs concurrents. Alors, très intéressant, et pour le coup, on a une vision qui est peut-être plus intéressante, qui est plus économique. Alors, Roma83R dit les questions de merde. Oui, on est d'accord. Mais pour le coup, là, on a un aspect qui est plus économique, qui est intéressant. Maurice Lévy, donc président du conseil de surveillance de Publicis, une énorme boîte française. Là, on a quelque chose qui est cadré. Voilà. Sur l'économie, les patrons font du business entre eux. OK, dont acte. Mais dans ce cas-là, quel intérêt d'inviter des personnalités politiques s'il n'y a pas de porosité entre ces mondes-là? Et quel intérêt d'inviter des gens comme Greta Thunberg ou autre coqueluche du mondialisme dans la mesure où les chefs d'entreprise qui font du business entre eux, ça, bien évidemment, on se met d'accord, hein, y a pas de problème. Mais est-ce qu'on peut imaginer, alors peut-être que Julien Pain va poser la question, est-ce qu'on peut imaginer que ces chefs d'entreprise aient aussi intérêt à ce que les chefs d'État soient là pour discuter, établir des contrats? Parce que les chefs d'État sont aussi des chefs d'entreprise comme les autres d'une certaine manière. N'est-ce pas Emmanuel Macron qui nous parlait de Startup Nation? Donc, à partir de là, moi, à partir du moment où un président de la République décrit sa volonté de gérer le pays comme une volonté de gérer une Startup Nation, enfin de construire une Startup Nation, moi je pense qu'il est chef d'entreprise avant tout. Donc, à quel point les chefs d'État font du business avec les chefs d'entreprise présents sur place, et auquel cas, on voit bien que il y a une porosité d'intérêt entre ces gens-là.
Et ce qui est tout à fait normal. Demain, je fais une soirée avec 10 amis à moi qui sont dans des secteurs plus ou moins proches où nos activités respectives pourraient s'aider, s'entraider, s'appuyer les unes sur les autres pour favoriser les intérêts des uns et des autres. Ne serions-nous pas une belle paire d'abrutis si on ne le faisait pas? Donc, revenons à la simplicité, peut-être au niveau des questions de Julien Pain, pour se dire aussi que est-ce que c'est pas un petit peu d'aveuglement volontaire de penser que les gens arrivent, font leur conférence et s'en vont? Au bout d'un moment, on notera que Julien Pain, dans son reportage, nous parle de la présence du PDG de Pfizer. On n'a pas eu de vaccin Sanofi en France. Le fameux vaccin, rappelez-vous, qui devait être fait du côté de Nantes, c'était... petit quiz dans le chat. L'entreprise française Valneva. Voilà, Valneva. Le vaccin Valneva qu'on a eu en France, qui a eu toutes les peines du monde à s'imposer sur le marché, avec la Commission européenne qui a repoussé, qui a dit que ça n'allait pas, que machin, que bidule, que bidule. De là à dire qu'on pourrait imaginer... Attention, j'ai dit imaginer, monsieur Pain. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Pas complotiste, je suis bien trop bête pour en arriver là. Mais peut-on imaginer que la Commission européenne ait discuté avec Pfizer sur place en disant « Bon, ben, on est au même endroit, on est copains, on va trinquer. » Et il est plus intéressant de défendre d'aller dans le sens des intérêts de Pfizer qu'on a rencontré là que du truc Valneva, qui pourtant est français, le pays de Pasteur et compagnie. C'est du propos de comptoir que je vous tiens, mais c'est au niveau des questions qui sont posées et des raisonnements qui sont donnés en face. C'est vraiment... Mais comment voulez-vous qu'on complote pour gérer la marge du monde? On est là pour faire des conférences et parler entre nous, vous savez. On parle entre chefs d'entreprise, entre chefs d'État, mais on ne parle pas entre nous. Hein. Enfin, c'est d'une bêtise abyssale. Ce que je vous dis vraiment est bateau. Mais c'est au niveau de ce qui est proposé comme idée ici, quoi. C'est aussi prosaïque que cela. L'idée qu'il pourrait y avoir un complot, non, c'est, malheureusement ou heureusement... Vous n'avez pas une telle influence, c'est ce que vous voulez me dire? Loin s'en faut. Loin s'en faut. Voilà. Voilà. Les gens présents à Davos n'ont pas une telle influence, bien évidemment. Le PDG de BlackRock, le plus grand fonds d'investissement au monde, les chefs d'État, Ursula von der Leyen, président de la Commission européenne, enfin, tous ces gens-là n'ont aucune influence sur le monde. Alors si eux n'ont rien, qui a quelque chose? À Davos, on trouve aussi des représentants de la société civile. De nombreuses conférences sont organisées sur la santé, les inégalités ou les droits des femmes. C'est vrai que facile à lire, on le dit dans le chat. Il a dit « Malheureusement, nous n'avons pas autant d'influence ». Effectivement, c'est intéressant. Mais elle se passe en général dans des pavillons annexes du forum. Parmi ces acteurs non étatiques, l'un d'entre eux m'intéresse particulièrement, la Fondation Gates. Avec son budget de plus de 4 milliards de dollars, cette fondation est au centre de nombreuses théories complotistes. Le milliardaire Bill Gates aurait un plan pour réduire la population mondiale à coups de vaccins mortels. Il tenterait de nous implanter des puces pour mieux nous tracer. Je voudrais en parler au PDG de la Fondation, Mark Susman. J'en ai sérieusement. Mais franchement, mais n'a-t-on rarement pas vu quelque chose d'aussi abruti en termes de travail journalistique, quoi? Mais rendez-vous compte, mais Monsieur Pain nous dit il y a peut-être quelqu'un dans ce monde qui veut tuer la population, qui est tellement riche, tellement puissant, qu'on imagine qu'il pourrait tuer la population et tout ça. Mais, monsieur Pain, vous allez poser la question en pensant quoi? Que le mec va vous vendre la mèche, s'écrouler devant le micro en disant « Ah putain, désolé, en fait, vous avez raison, mais c'est lamentable. C'est lamentable. » Julien Pain, c'est l'enquêteur qui doit résoudre une enquête sur un serial killer, d'accord, qui a tué 20 personnes. Il y a le coupable, on est quasiment sûr, on a les traces ADN et tout ça, on a quasiment tout. Julien Pain, c'est l'enquêteur qui a... Écoutez-moi bien. C'est vous qui avez tué? Ben non. Très bien, enquête terminée. Jackson, c'est pas lui. Enfin, mais je veux dire, c'est sérieux, quoi. Tu regardes Gulli 5 minutes, tu regardes les dessins animés, tu regardes Scooby-Doo. Quoi de neuf, Scooby-Doo? Nous, on te suit partout, on va résoudre ce mystère. Julien Pain, mais c'est pas possible. C'est se moquer du monde. Et je regarde, et vraiment, je critique pas pour critiquer. J'essaie vraiment de regarder ça avec vous et de décortiquer point par point ce qui ne va pas par rapport aux intentions de ce documentaire. C'est sous-titré « Entre intox et réalité ». Attention, c'est la réalité.
Le mec a la prétention de donner la vérité et la réalité avec des démarches aussi bêtes. Mais vraiment, mais rendez-vous compte, il y a Subskill qui en parle dans le chat, qui dit « il est plus fort que Columbo, mais si les enquêteurs travaillaient comme lui, eh ben putain, il resterait un sacré paquet de cold case, donc c'est lamentable. » Mais là encore, il n'accepte pas les interviews, alors je tente ma chance à la sortie d'une table ronde. Je sais que la Fondation Gates est ciblée en permanence par des théories complotistes. Des personnes qui pensent que vous essayez de tuer les gens avec des vaccins. Comment votre fondation peut répondre à ça ? Qu'on parle du sida, de la malaria ou de l'agriculture, notre travail est toujours fait en collaboration avec les parties prenantes sur place. C'est notre engagement. Être transparent sur nos motivations, notre travail, et ensuite sur l'impact de notre travail. En termes de vies sauvées et d'opportunités que nous offrons aux plus pauvres et aux plus vulnérables. Ah ben voilà. Allez. Merci Julien. Allez, viens, on va trinquer. Franchement. Mais vous la voyez la séquence. Le mec a la prétention de briser des bruits, des rumeurs, peut-être même des complots, qui sait, qui existent autour du forum de Davos, peut-être depuis sa création dans les années 70. Julien Pain arrive avec son petit micro et sa petite barbe. Excusez-moi, on dit que vous êtes un gros vilain. Non, je ne suis pas un gros vilain, car je suis un très gentil. Merci. Franchement. Et c'est avec ça qu'on veut lutter contre les fake news. C'est avec ça qu'on veut que les gens aient confiance dans les médias. Non, mais sérieux, franchement. Franchement, je rejoins sa démarche. Lutter contre les fake news, éviter que les gens pensent n'importe quoi, se trompent, n'aient pas le goût d'apprendre, le goût du doute, le goût de la recherche. Ok. Toy Story à côté de ce reportage, je veux dire, c'est la Pléiade. C'est Arte à côté. Non, mais c'est lamentable. Et vraiment, je me garde de faire toute attaque à Dominem, toute critique sur Julien Pain. Je ne parle même pas de l'histoire avec Aberkane, avec je ne sais pas quoi, j'en ai rien à cirer. Je me concentre sur le travail, avec sérieux et méthode, sur le travail de Julien Pain. Mais franchement, voilà, il y a Kawens qui le dit dans le chat. Je veux dire, c'est vraiment le puceau qui fait sa première fois en boîte de nuit. C'est bonjour madame, t'es bonne. Ben oui, mais en fait, ta gueule, tu vois, c'est pas comme ça que tu vas avoir un bisou, tu vois. L'autre arrive, c'est vrai que vous êtes un vilain ? Non, merci. Mec, c'est quoi l'histoire ? Tu fais un reportage pour la presse régionale en quatrième ? On est où, en fait ? Enfin, c'est pas sérieux. Et vraiment, je vous assure de ma démarche, où je vais être tout à fait serein, gentil avec Monsieur Pain et tout, mais il nous prend pour des biscottes, le couze. Enfin, je veux dire, c'est... Faut arrêter les conneries, c'est lamentable. Ça peut pas être le service public qui fait ça quand même. C'est terrible, c'est vraiment terrible. Le mec pense vraiment avoir une réponse en ayant cette démarche-là. Faut aller questionner les gens, alors certes qui sont peut-être pas invités au forum de Davos, mais qui pensent véritablement que le forum économique mondial pose problème. Faut poser des questions à d'autres gens pour avoir un contraste. Enfin, et le mec te dit, il se décrit spécialiste de la lutte contre les fake news. Eh bien, les fake news peuvent dormir tranquille. Hein. Politique, milieu d'affaires, société civile, tous se croisent dans les couloirs de Davos et interviennent dans des conférences. Le forum de Davos, c'est d'abord ça, c'est une série de conférences sur des thèmes extrêmement... Oui. En fait, le forum de Davos, c'est l'amicale des anciens philatélistes du Val d'Oise qui se réunissent. Ouais, de quoi tu parles ? Variés, donc par exemple ici on a un artiste, on va parler d'économie, là c'est une conversation avec Idriss Elba, l'artiste, sur la guerre en Ukraine évidemment, le Brésil, et puis beaucoup de conférences sur l'économie évidemment, et la crise actuelle, tout est ici, donc affiché, mais il y a aussi bien sûr des réunions qui se font dans un cadre privé, et qui se font plus loin, dans des salons par là. Voilà, ici on peut réserver une salle et avoir une rencontre complètement privée. Donc il y a des chefs d'État qui se rencontrent, il y a des membres du milieu économique évidemment qui organisent des rencontres bilatérales. Et évidemment, nous les journalistes ici, on n'a pas accès. Juste derrière, c'est Christine Lagarde, la présidente du Fonds monétaire international. Ce forum est un univers complexe, fait de réseaux et de protocoles. Un labyrinthe que Jacques Attali connaît sur le bout des doigts. Vous êtes à Davos et c'est vrai que vous êtes
tout. Il y a beaucoup de gens qui disent sur Internet que vous complotez dans l'ombre, que vous connaissez tous les grands de ce monde, etc. Et là, vous êtes à Davos. Alors, pourquoi vous êtes à Davos ? Voilà, alors, pareil. Ce qui est bien, c'est que c'est tout le temps la même question. En plus, pourquoi se faire chier ? Il a quand même bossé 3 semaines pour la construire, cette question. Excusez-moi, mais est-ce que vous êtes un vilain ? Ce serait con d'en avoir plusieurs en stock, ce serait con de faire son boulot, tu vois. Donc, il va voir Jacques Attali, qui lui-même, d'ailleurs, dans ses livres, hein, bouquin, je l'ai à la maison, je vous le retrouve, je l'amènerai, dans un de ses livres, Jacques Attali, qui évoque tout à fait tranquillement les risques de pandémie. Alors, attention, parce que c'est vrai que si tu as le niveau de raisonnement d'un Julien Pain, en tout cas ce qu'il nous démontre, c'est pas parce que je dis que Jacques Attali parle de pandémie à venir dans son livre que c'est lui qui les organise. Non, parce qu'en fait, c'est vrai que passer 25 de QI, tu comprends qu'il l'a juste écrit dans son livre. Et j'imagine bien que c'est pas lui qui joue au chimiste en disant « tiens, Covid-19 ». Je dis juste qu'il l'évoque dans son livre pour l'anticiper en termes géopolitiques, politiques, sanitaires et compagnie. Mais on a quelqu'un qui évoque des choses comme ça, on a quelqu'un qui évoque tout à fait tranquillement l'ordre, le nouvel ordre mondial, la nécessité d'un gouvernement mondial pour faire face justement aux pandémies à venir, justement aux risques de guerre, de conflits et compagnie. Donc voilà, qu'on soit tout à fait d'accord. Et là, pareil, la question serait con de se fouler un neurone. Monsieur Attali, est-ce que vous êtes méchant ? Parce qu'il y en a qui disent que vous êtes méchant. Et là, la réponse. Mais ça fait très longtemps que je viens ici, comme dans d'autres endroits. C'est un lieu intéressant où depuis très longtemps... Klaus Schwab a réussi à réunir dans un endroit improbable. Personne n'a envie de venir à Davos, il fait froid, c'est loin. C'est vraiment le plus incommode des lieux. Il a réussi à faire que voilà. Le plus incommode des lieux. Ouais, oh, ça va. Hein, oh, c'est Jaco. Et Jaco, normalement, c'est au moins Formule 1 en bordure de Sochaux. Là, je veux dire, c'est insupportable. Les intellectuels, les chercheurs, les... chefs de gouvernement, les grands patrons, les syndicalistes viennent du monde entier. Et qui vous avez rencontré à Davos, par exemple, si vous pouvez me le dire ? Plein de gens. J'ai rencontré le nouveau ministre des Finances brésilien. Je vois beaucoup, beaucoup de gens de haut niveau, mais de façon informelle, tout à fait. Alors, il y a, à ma connaissance, il n'y a pas de complot d'aucune sorte derrière ça. Il y a juste une rencontre. Donc, c'est aussi un... Franchement, mais... Normalement, je devrais me mettre à chialer en direct devant vous parce que on a quand même Jacques Attali qui fait preuve de plus de nuances en 22 secondes que Julien Pain dans toute une carrière et dans tout un reportage. On a Jacques Attali, quand même, tu vois, quand même, qui vous dit merde, quand même, tu vois, comme dirait l'autre. On a Jacques Attali qui dit à ma connaissance, il n'y a pas de gens qui complotent. Alors que l'autre. Depuis 3 heures, il est avec son micro. Excusez-moi, il y a des complots par ici. Forcément, allez, tiens, la piscine à boules, elle est là-bas. Et Jacques Attali qui, voilà. Et puis, quand bien même s'il y en avait, mon bon vieux Julien, ça me fout le cul en larmes. De baromètre de ce qui se passe dans le monde. C'est, vous savez, j'ai l'habitude de dire que l'endroit le plus important dans une entreprise, c'est pas les bureaux. C'est pas les salles de réunion, c'est la machine à café. Ah, elle est belle, ça. Et la machine à café, parce que vous rencontrez des gens improbables que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer. Eh bien, Davos, c'est la machine à café du monde. C'est rien d'autre. Alors, c'est une des machines à café du monde. C'est une machine, et une machine à café, c'est pas un endroit où on décide. En fait, pour Jacques Attali, à la limite, c'est plutôt bien résumé. Davos, c'est le caméra café du monde, si tu veux. Tu croises Hervé, Jean-Claude, Sylvain, Maïva. Des personnages plus ou moins hauts en couleur, et Davos, c'est ça. Ni plus ni moins. Je veux dire, t'as ta réponse, Julien. Est-ce que vous êtes des vilains ? Non, on est des gentils. Fin du reportage. C'est une machine à café avec beaucoup de milliardaires. J'en ai croisé depuis tout à l'heure. Il y a des milliardaires, mais il n'y a pas que ça. Il y a des tas de gens qui... Il y a beaucoup d'ONG qui viennent là pour se faire entendre. Il y a en effet des gens puissants. Il n'y a pas une pensée de Davos. Il y a juste un lieu de rencontre où les gens échangent des idées. Il n'y a pas une doctrine d'Avos, d'aucune sorte. Alors, tout le monde parle de... C'est vrai que Klaus Schwab, qui, moi j'ai lu son livre, a une pensée assez structurée sur la façon dont il pense que le monde devrait travailler, coopérer. C'est de Klaus Schwab, mais c'est pas... Vous n'avez pas un communiqué final de Davos qui dit ça. Ça n'a pas de sens. Il est normal que Klaus Schwab, comme tout le monde, ait des idées. Ce n'est pas les idées... De, demandez au premier chinois s'il n'a même jamais lu le livre de Klaus Schwab. Non, chacun a ses idées.
des centaines de journalistes assistent à Davos. Pendant une semaine, tous les yeux sont braqués sur cette petite station suisse. Ça n'est clairement pas le lieu idéal pour comploter dans l'ombre. Et pourtant, des millions de personnes sont persuadées que Davos est le centre d'une grande machination. Pour en parler, je rencontre le responsable de la communication du Forum économique mondial. Ah bon, bah voilà. C'est vrai qu'il nous manque, il nous manquait que ça pour vraiment être dans le ridicule le plus complet. C'est de poser la question au responsable de la communication. Donc, c'est-à-dire que c'est le monsieur qui est payé directement pour faire la communication de Davos et présenter le Forum sous son meilleur visage. Voilà. Donc, c'est-à-dire que tu veux savoir si des gens ont des rapports sexuels dans un club échangiste, tu vas demander à celui qui distribue les préservatifs, tu vois. Et Julien est comme ça, alors du coup, ça quête ou ça quête pas, tu vois? Ben là, c'est pareil. Il y a une chose que je voulais vous montrer. J'étais en fait à une manifestation à Paris il y a quelques semaines et j'ai rencontré donc un gilet jaune. Je voulais vous montrer la vidéo. Voilà. Et oui, ça aurait été con de ne pas le mentionner. Déjà, tu peux t'arrêter à gilet jaune. Julien, t'as ta réponse. Et aussi, vous avez. Vous êtes d'accord? D'accord. Mais on est bien d'accord que vous pensez donc. Et voilà. Vous avez vu la fameuse. Le début, structure classique, la citation qui est sortie, qui est mise en exergue, et c'est les résumés de toute une pensée. Mais qu'il demande à Charles Gave, qu'il demande à Florian Philippot, qu'il demande à des esprits plus ou moins éclairés, qui ont réfléchi sur la question, qui ont un tant soit peu travaillé, peut-être plus que ce monsieur qui manifeste en toute sympathie, mais qui n'est pas là pour qu'on vienne montrer sa tronche à Davos. Os. Donc, qui a été fondé par ce monsieur Schwab, ce qui se passe, c'est qu'on donne carrément des directives à des chefs d'État et à des chefs d'entreprise sur quel doit être le monde de demain. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Vous avez vu ? Non, mais honnêtement, ça me rend grognon. Je vais être tout à fait franc, j'avais pas vu la fin du truc. Je crois que j'étais allé vomir. Vraiment, et là, c'est la séquence... En fait, c'est central dans ce que je vous expliquais. Ça, c'est de la manipulation de l'information. Mais vraiment. Pour ceux qui ont suivi, qui sont là depuis tout à l'heure, devant ce petit cours magistral, j'espère que ça vous fait pas chier. D'ailleurs, vous dites dans le chat, on tente un truc, hein, mais... Je vous expliquais tout à l'heure cette rhétorique médiatique classique qui vise à reformuler les propos de quelqu'un en y ajoutant les éléments qu'on aimerait mettre dans sa bouche. Mais de façon rapide, brève, presque indétectable. La personne prise de court dit oui, c'est ce que j'ai dit, parce qu'elle ne va pas s'invalider. C'est un biais psychologique bien connu, c'est que on a du, c'est un comportement humain, c'est qu'on a du mal à se dédire, on a du mal à se contredire. C'est-à-dire que si par exemple, je sais pas, j'ai défendu l'idée que j'étais de, genre, enfin, comment dire, je sais pas, que j'étais de gauche, je vous dis n'importe quoi. Je suis de gauche. Un jour, je dis bah non, moi je trouve que la réforme des retraites c'est nécessaire. On va me dire, oui, mais attends, t'as toujours dit que t'étais de gauche. Ah, ok, bon, et ça coince un peu. On a toujours du mal à revenir sur des propos qu'on a tenus. C'est une sorte de biais psychologique où c'est compliqué. Et donc, cette technique médiatique d'interview, elle est fastoche à mettre en œuvre. Quelqu'un parle, je sais pas, il vous dit, bon, ben, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Quelqu'un parle, il vous dit A, B, C. Vous dites, et le journaliste répond, ah, donc vous êtes en train de me dire A, B, C, donc D. Oui. Alors que le dé n'est pas du tout sorti de sa bouche. Et là, jackpot. Et le niveau d'escroquerie intellectuelle va si loin que, non content de sortir une seule citation de ce monsieur en gilet jaune, ça aurait été con de prendre quelqu'un qui n'en avait pas, de ce monsieur en gilet jaune qui donne une image du cortège, qui donne une image des gilets jaunes, non content de faire déjà, d'être dans un biais de confirmation assez lamentable, on a en plus M. Pain qui montre la séquence au responsable de la communication de Davos. Alors normalement, là, c'est fini, tu vois, je fais la lambada dans le studio. Et regardez la séquence qu'il lui montre. Écoutez bien, parce qu'on ne voit pas tout de suite à l'image, écoutez bien la séquence qu'il lui montre. D'accord. Mais on est bien d'accord que vous pensez donc qu'à Davos, donc qui a été fondé par ce monsieur Schwab, ce qui se passe, c'est qu'on donne carrément des directives à des chefs d'État et à des chefs d'entreprise sur quel doit être le monde de demain. Oui, c'est ça. Monsieur Pain ne montre à ce monsieur, ne montre qu'à ce monsieur, ne montre, pardon, montre à ce monsieur responsable de la communication du Forum économique de Davos, ne montre que sa reformulation. De la bouche du gilet jaune, on entend oui, c'est ça. Point. Mais on est à quel niveau de manipulation? Et un monsieur qui se prétend spécialiste de lutte contre les fake news. Mais fin du game, là, fin du game.
C'est sidérant, cette séquence-là est centrale dans la manipulation de l'opinion qu'il peut y avoir par certains qui se prétendent pour autant des défenseurs de la liberté d'expression, de la lutte contre le mensonge et compagnie. Mais vous avez la preuve par A plus B des techniques qui peuvent être mises en œuvre, en l'occurrence ici par M. Pain. C'est sidérant. C'est d'une mauvaise foi sans nom. Enfin, mais quelle crédibilité au témoignage de ce monsieur. Déjà, sortir sa phrase du contexte, c'est assez délicat. Et en plus, ne reprendre qu'une reformulation. La personne qu'on entend sur l'extrait, c'est Julien Pain. Hein. C'est pas le monsieur. Le monsieur, il fait que dire oui, c'est cela, oui. On n'est pas sérieux. Franchement, on n'est pas sérieux. Alors, on finit cette daube parce que ça m'énerve. Alors, quand vous voyez ça, vous réagissez comment, vous qui travaillez pour le forum de Davos? Alors, je peux comprendre. Il y a plusieurs crises qui se sont enchaînées. Le Covid, le conflit, le coût de l'énergie a beaucoup augmenté et du coup, le coût de la vie a augmenté. Donc, je peux comprendre que beaucoup de gens en Europe, en France et ailleurs ont du mal à joindre les deux bouts et qu'ils ne sont pas contents avec ce qui se passe actuellement. Au moins, l'avantage de ce monsieur, c'est qu'il n'a même pas compris la question. C'est tellement de la daube qu'il se dit « c'est pas possible que j'ai un journaliste qui me pose cette question-là ». Et donc l'autre répond « oui, en fait, les gens, il y a des crises, c'est un peu chaud pour eux ». Vraiment là pour essayer de trouver des solutions ensemble. Alors, ce que dit ce monsieur, et ce qu'on comprend, c'est que lui, il a l'impression que c'est que les élites mondiales, les gens très riches qui se réunissent ici, qui prennent des décisions, et que finalement le peuple est un peu écarté de ça, les nations sont écartées de ça. Et ce qu'on peut comprendre, hein, c'est que moi, j'étais au forum là. Les peuples sont écartés de ça, les nations sont écartées de ça. 10 minutes après, 10 minutes plus tôt dans son reportage, il nous explique que les chefs d'État également sont là. Mais voilà, si on fait de l'analyse point par point, c'est Disneyland Paris qu'on a sous les yeux. Pendant quelques jours, et je vois bien que quand même, c'est vrai, c'est un univers où on croise plutôt les plus riches et que le peuple est assez peu présent. Le simple citoyen, il n'est pas à Davos, même s'il y a quelques ONG. Alors, oui, effectivement, bien sûr, on a beaucoup de décideurs qui viennent à Davos. Après, on est une organisation qui essaye d'être vraiment très transparent. Déjà, il y a plus de 150 sessions qui sont sur notre site web. Tout le monde peut les regarder, ils sont publics. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de Klaus Schwab, de sa personnalité. On a un peu l'impression que c'est le grand méchant dans James Bond. Je ne sais pas si vous regardiez les James Bond avec Spectre. Voilà, l'espèce de main invisible qui dirige le monde. Comment on peut expliquer que ça se focalise autant sur Davos et sur Klaus Schwab? Moi, je pense que... Voilà. Alors, peut-être parce que c'est le créateur, mais je... Voilà, non, mais je dois être mal renseigné. Ah, il y a plusieurs crises qui se sont succédées et bien sûr on cherche un responsable et bien sûr les lieux où il y a une concentration de pouvoir, on peut imaginer qu'il y a des choses qui ont été faites ou planifiées. J'ai parlé avec des leaders politiques, des leaders. Il est coupé un petit peu vite quand même. Hein. Il est coupé un peu vite parce que tu vois, et ce qu'il dit, c'est peut-être complotiste. Hein. De main invisible qui dirige le monde. Comment on peut expliquer que ça se focalise autant sur Davos et sur Klaus Schwab? Moi, je pense que voilà, il y a plusieurs crises qui se sont succédées et bien sûr, on cherche un responsable. Et bien sûr, les lieux où il y a une concentration de pouvoir, on peut imaginer qu'il y a des choses qui ont été faites ou planifiées. J'ai parlé avec des leaders politiques. Pourquoi ça coupe, Julien? C'est dommage, hein, en termes de transparence journalistique. On n'a pas entendu. Pourtant, il dit quelque chose. Hein. On peut imaginer qu'il y a des choses qui ont été planifiées. Oh, pas comploté, celui-ci. Des leaders du monde économique, avec des gens de la Commission européenne, et on voit bien que tous subissent de plein fouet cette vague de désinformation. Cette tendance... Voilà. Hein. C'est-à-dire que le point de départ de ce reportage, c'est... Forum de Davos entre intox et réalité. Est-ce que les gens... Alors, propos complotistes du monsieur, est-ce que les gens complotent à Davos? Et en fait, est-ce qu'il n'y a pas une vague de désinformation? Enfin, le gloubi-boulga de la manipulation médiatique malheureusement menée par certains, je préfère être tout à fait honnête sur ça, par certains, parce que Julien Pain est, en tout cas à travers ce reportage, l'incarnation de ce qu'on peut faire de pire, mais fort heureusement, il n'est pas encore en majorité. Et lui et ses collègues qui font de la merde comme ça. De la désinformation, c'est une menace pour la démocratie. Et je pense que ça crée un monde
qui est très, comment dire, hostile quelque part, où les gens ils s'échangent plus vraiment. Bah ouais. Et ouais, les gens ils s'échangent plus vraiment. Alors qu'à Davos ils s'échangent bien, hein, parce que regarde, juste Mio, on a fait un petit article la dernière fois. Alors, ça s'appuie sur ce qu'a révélé le Daily Mail et le Télégraphe. Donc, là, c'est quand même du média sérieux. Alors, peut-être qu'ils sont dans la vague de désinformation. Hein. En fait, on a appris grâce à eux, hein, on a fait un article sur le site le 18 janvier, que, alors, hasard, hein, loin de moi l'idée, hein, de quoi que ce soit, hasard, le nombre de prostituées explose au moment du forum de Davos, ouais. Ouais, on apprend que, en fait, bah, y a, tu vois, c'est le Daily Mail, hein, qu'on a parlé. La demande de prestations sexuelles monte en flèche chaque année lors de la réunion des dirigeants mondiaux et des manières des affaires. Alors, c'est sûr que le peuple s'échange peut-être pas, mais apparemment, eux, ils s'échangent bien. Hein. Donc, mais là, il n'a pas posé la question. Mais bon, après, tu vas me dire, ça, c'est ce qui se passe sous la couette. Ça, à la limite, c'est pas très, très grave. Mais voilà, la vague de désinformation, alors que je viens de vous démontrer par A plus B les pratiques de désinformation de Julien Pain. Vraiment de manière claire. C'est-à-dire que des questions qui sont posées, qui sont orientées, des questions comment dire, qui sont posées à partir d'une réponse présupposée, d'une certaine manière. C'est-à-dire que quand il va dire au frère Klitschko, alors les Russes mentent, qu'est-ce que ça fait? C'est quand même pas autre chose que, est-ce que vous trouvez que les Russes mentent? Mais non. Non, bah, attends, j'ai pas la carte. Moi, j'ai pas la carte de journaliste. Donc, ça n'aide pas à avancer, à trouver des solutions ensemble. Pour certains. Et là, attention, là on arrive au moment de la conclusion. Précaution d'usage, comme dans les avions. Vous trouverez à l'avant, à l'arrière et sur les côtés des issues de secours. Nous rappelons que ce vol à destination de Davos se terminera dans quelques minutes. La température extérieure est estimée à voilà, c'est pas agréable, comme dirait Jacques Attali. Nous rappelons à l'ensemble du personnel de bord et de nos voyageurs que des sacs à vomi sont à disposition dans le siège d'en face. Et vous trouverez également des issues de secours, comme dit, la possibilité de ouvrir les hublots. Nous rappelons qu'il est important de relever tablette et accoudoir avant la phase d'atterrissage. Merci à tous d'avoir voyagé avec nous sur Julien Pain Airlines. Tout de suite, la conclusion. Bon courage. Davos est un lieu d'échange sur les grands enjeux de notre temps, qui réunit l'élite intellectuelle, économique et politique du moment. Pour d'autres, Davos n'est qu'une arène de lobbying, utile à ceux qui y sont invités, plus qu'au reste du monde. Mais est-ce que l'avenir de la planète se décide vraiment entre les murs de ce forum? Est-ce que Klaus Schwab manipule dans l'ombre les grands décideurs de la planète? Certainement pas. Mais il est tellement plus excitant de fantasmer un complot au cœur des montagnes suisses que d'accepter l'incertitude d'un monde qui avance sans pilote. Merci Juju. Putain. J'ai envie de me mettre tout nu là. J'ai chaud. Il me donne chaud là. Juju, cette conclusion. C'est Robert Hossein quoi. C'est le puits du fou, Juju. Incroyable. T'as vu ce qu'il nous a dit? Il nous a dit non, ça se fait pas entre ces murs. Voilà. Non, alors, ce qu'il faut comprendre dans cette argumentation relativement débile, c'est que Julien Pain, quand il ça, lui et des collègues, il suffit de prendre des arguments au premier degré pour les déminer. Ça aussi, tiens, ça aussi, c'est une technique assez intéressante que vous retrouverez, hein, vous inquiétez pas. Hein, inspecteur milieu. Technique très simple, c'est-à-dire que pour décrédibiliser facilement un argument, vous le prenez au premier degré. C'est ce que fait l'ami Pain. L'ami de Pain. Eh, ça va, j'ai le droit de faire la merde aussi, je me joue au niveau. C'est-à-dire que il part d'une rumeur, alors lui appelle ça fantasme. C'est très marrant, là, d'ailleurs, l'érotisation de l'inquiétude des gens, mais bon, qu'importe. Julien Pain nous dit... bon, il y a des gens qui pensent que, en fait, la marche du monde est décidée entre ces murs. Ben non, en fait. Alors, on n'est pas suffisamment con, Julien, pour se dire que les gens sont obligés de se retrouver entre ces murs pour organiser la marche du monde. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de se déplacer, si tu veux. Enfin, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Julien Pain considère que pour lui, en fait, c'est que à Davos, là où il y a le forum, que les gens organisent la marche du monde. Et ce à quoi il répond, certainement pas. Ben non, parce que c'est débile, c'est complètement bête.
Quelle idée? Je comprends pas, parce qu'ils se déplacent, ces gens. Ils vivent pas seulement là. Donc peut-être que parfois, ils organisent la marche du monde, mais ailleurs. Oui. Alors moi, je suis pas spécialiste de la chasse aux fake news. Ce que je vous dis n'est qu'une vaste somme de conneries. Mais dans le fond, il a raison, Julien. Et cette technique est très intéressante. C'est que ce qui est dénoncé vis-à-vis de Davos, qui est véridique ou pas, et en tout cas, c'est pas avec ce reportage, vous l'aurez compris, qu'on aura de réponse et encore moins d'éléments de réflexion. Parce que ce qu'on demande, c'est une réponse. Je veux dire, ça fait 50 ans que le truc existe, c'est pas pour que Julien Pain arrive et règle le problème en une demi-heure avec son micro qu'il a acheté chez Cdiscount il y a une demi-heure. Donc, on va bien être d'accord que c'est pas Julien Pain qui va résoudre le problème. Donc le mec a déjà la prétention, pardon, d'arriver et de dire je vais vous régler le problème qui dure depuis 50 baloches, et puis il prend un argument dont il refuse la portée métaphorique, la portée subjective. C'est-à-dire que quand on dit ce bruit-là qui s'appuie beaucoup sur ce livre, on en reparlera, et sur d'autres choses, quand on dit le sort du monde se décide à Davos, à partir du collège, mi-collège, début lycée, tu commences à comprendre que Davos, c'est une image symbolique de l'ordre mondial. Ça s'appelle Forum économique mondial, on l'a démontré, que ce soit Olaf Scholz ou d'autres qui ont été interviewés, parlent de ce globalisme nécessaire pour la marche du monde. Donc Davos, c'est une image symbolique. Julien Pain, c'est un mec qui peut te dire « Ah non, mais en fait, les Alliés n'ont pas gagné la guerre grâce au débarquement de Normandie, parce que ça n'est pas la Normandie qui a débarqué, ce sont les Américains. C'était le débarquement des Américains. Attention à la fake news, parce que la Normandie n'a pas pu débarquer en Normandie, parce que c'est une plage. Une plage ne débarque pas sur une plage. » Voilà. Je fais quelque chose d'idiot, mais pour vous démontrer que la prise au premier degré d'un argument facilite forcément sa décrédibilisation. Parce qu'on est à un niveau de raisonnement qui est en dessous du niveau de la mer. Et ce que fait Julien Pain, c'est ça. Il refuse de voir le discours qu'il y a derrière ces critiques plus ou moins habiles faites au mondialisme, qu'il y a une marche du monde qui est décidée dans ce genre d'endroit, dont Davos est le symbole. Forcément, quand lui dit « Oui, mais en fait, ça n'est pas décidé entre ces murs », certainement pas. Mais c'est pas la question. C'est pas la question. Julien Pain peut-il se pencher sur des travaux qui traitent de la question du mondialisme à long terme? Parce que si tu remontes à il y a une demi-heure, tu vas pas trouver grand-chose, mais regardez un petit peu sur la question du mondialisme depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ne serait-ce que sur le rôle du général de Gaulle sur la mainmise volontaire des Américains au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ne serait-ce que sur les raisons de mise en place de l'Union européenne, quel est le rôle des Américains là-dessus, quelle est la vision de l'Union européenne sur les questions de souverainisme, enfin, de réfléchir, quoi, de faire un vrai travail. Alors c'est sûr qu'on n'aura pas la conclusion après la lecture d'un livre, et c'est chiant. C'est vrai que c'est chiant, parce qu'il faut transpirer un petit peu, et il faut faire suer ses neurones. Mais avoir la prétention de dire les gens ne réfléchissent pas, donc sombre devant de la désinformation ou des fake news, avoir cette prétention de corriger la vision des gens en n'ayant aucune formation en ophtalmologie, c'est un vœu bien pieux. C'est un vœu bien pieux. Et Julien Pain, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une personne qui a suffisamment de confiance en lui pour dire « Moi, je vais remettre les gens sur la voie de la vérité » et qui pense faire ça en une demi-heure. Mais va faire une séance d'abdos, Julien. Va faire des pompes à la place. Parce que sans ardeur au travail, sans détermination, sans neurones qui transpirent un petit peu, mais déjà, avoir la vérité t'oublie. Mais c'est avoir le raisonnement, avoir les éléments, avoir la compréhension globale de tout ça. Et Julien Pain, sa conclusion, c'est « Ah mais ça ne se décide pas entre ces quatre yeux, entre ces quatre murs, hein. Ça ne se décide pas à Davos, c'est pas vrai. » Camarade, on est à quel niveau, quoi? On est à quel niveau? Davos est un symbole. La question qui est posée, c'est quelle est véritablement la trajectoire du mondialisme? Qu'il se retrouve à Davos, au G20, ou à la COP 27, 28, 29, 30, c'est ça la question.
Quel est le rôle de George Soros? Qui est ce monsieur? D'où vient-il? Qu'a-t-il financé par le passé? D'où tient-il sa fortune? Par exemple, on a la vidéo de George, alors Valeurs Actuelles, je n'ai pas compris s'il y est pas, je comprends rien, mais il a fait une vidéo sur George Soros que je vous invite à regarder. Il y a des partis pris, on est d'accord qu'il a son avis, mais il y a une remontée chronologique de George Soros qui aide à comprendre qui il est. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais Julien Pain qui débarque en disant « je vais vous expliquer avec mon reportage à la con en 20 minutes pour ce genre de conclusion », j'ai hésité à aller me gratter les genoux, mais ça aurait eu plus de portée intellectuelle. C'est sidérant. Franchement, c'est sidérant. Et regardez les commentaires. Alors, loin de moi l'idée de penser qu'il y a des bots ou quoi que ce soit. Vraiment loin de moi de cette idée-là. Mais regardez les commentaires, quoi. Excellent travail, c'est toujours un plaisir de le voir, mais spécialement cette fois-ci, bravo. Excellent reportage, bravo. Je suis quand même assez étonné par l'interview finale du responsable média du forum. On a l'impression, peut-être au montage, qu'il se sent pris de court par les questions sur le complotisme. Je m'attendais à ce qu'il ait un discours plus construit, voire préconstruit. Là, il donne plutôt la sensation de donner un avis personnel à l'arrache, comme si la question n'avait jamais été abordée dans son cercle de travail, ce qui est surprenant pour un responsable média. Merci pour ces éclaircissements. Merci d'avoir uploadé ce reportage. Merci pour le travail. Ah, hélas, des témoignages ne convaincront pas les gens convaincus d'un complot. Mais au moins, j'en ai appris plus sur ce rassemblement dans la plus haute ville de Suisse. C'est déjà ça. C'est terrible, quoi. Bon, franchement, c'est terrible. Et je respecte l'opinion des gens. Mais ce travail-là... franchement, c'est redoutable. C'est redoutable. On est à un niveau... Qui fait peur. Et je veux revenir sur un point parce que j'ai un affreux doute. Je vais vous retrouver la séquence où il parle de Christine Lagarde. Alors, où est-ce que c'était? Est-ce que c'était avant les amis Klitschko ou après? J'ai un doute parce qu'il me semble qu'il dit une affreuse connerie, mais je retrouve plus le moment. Est-ce que vous vous rappelez à peu près quand c'est les copains? Là, on a le monsieur Larry Fink, là, on a les amis Klitschko. Nanana. Attends, je vais couper le son, mais je vais essayer de vous retrouver le truc parce que il me semble qu'il dit une connerie sur ce point-là. Oh, je la retrouve pas, merde. Oh, tu vois, j'ai pas été attentif. J'aurais dû être attentif et je l'ai pas été. Ça, c'est bien le problème de ma chienne de vie. Oh, je rigole. Mais c'était avant Attali, on me dit. Alors attendez, bougez pas, je cherche ça tout de suite, tes copains. Je vous le remets, on navigue ensemble, parce qu'il y a un point que je veux être sûr d'avoir compris. Sur nos motivations, notre travail, et ensuite sur l'impact de notre travail. Milieu d'affaires, société civile, tous se croisent dans les couloirs de Davos. Et la crise actuelle, tout est ici, donc affiché, mais il y a aussi bien sûr des réunions qui se font dans un cadre privé et qui se font plus loin, dans des salons par là. Voilà, ici on peut réserver une salle et avoir une rencontre complètement privée. Donc il y a des chefs d'État qui se rencontrent, il y a des membres du milieu économique évidemment. Cette fondation est au centre de... Parce que semble-t-il qu'il présente Christine Lagarde comme la présidente du FMI. Alors c'est con parce que c'est pas vrai. Elle est présidente de la BCE, tu vois. Hein, comme quoi ça arrive à tout le monde de dire des conneries. Et le problème c'est que si Julien Pain fact-check Julien Pain, eh ben, on n'est pas sorti des choux-fleurs. Hein. Merde, je le trouve pas, putain. Oh, là, tu... Donc, l'organisateur d'une conférence... À 13h40, on me dit. Attendez, bougez pas, j'y vais tout de suite. Réserver une salle et avoir une rencontre complètement privée. Donc, il y a des chefs d'État qui se rencontrent. Il y a des membres du milieu économique, évidemment, qui organisent des rencontres bilatérales. Et évidemment, nous, les journalistes, ici, on n'a pas accès. Juste derrière, c'est Christine Lagarde, la présidente du Fonds monétaire international. Voilà. Fake news. Ah bah super. Merci les copains pour l'aide sur le chat de ceux qui ont donné le timing. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et je veux dire, c'est que dans un monde sans Julien Pain, c'est pas grave. T'as le droit de te planter. Je veux dire, c'est pas moi qui vais faire des leçons de lapsus, de bêtises, de conneries. Mais quand tu te prétends expert en chasse aux fake news... Ça gratte un peu la gorge, quand même. Ça gratte un petit peu la gorge. Non, mais c'est... Si Julien Pain fact-check Julien Pain est complotiste.
Il y a eu une inception de la bêtise. Enfin bon, bref. Je regarde un petit peu le chat, les amis. J'espère que ça vous a plu. Ça a été assez long. On a fait quasiment une heure sur ça. Si ça vous plaît, hein, cette petite analyse de documentaire, de réflexion ensemble, on commente, on regarde des vidéos liées à l'actualité. Si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas. Hein. J'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop long, pas trop chiant. Si le format vous plaît, on pourra le refaire avec plaisir. Hein. Au moins, ça change un petit peu voilà, du simple commentaire. N'hésitez pas, hein. Vraiment, n'hésitez pas. Si ça vous plaît, on en refera. Notamment la séquence avec Michel Onfray, sur laquelle je voulais revenir avec vous. Voilà, on tente des trucs sur Twitch, on se fait plaisir. Tu vois, d'être un peu plus posé, d'avoir un sujet de réflexion, et prendre le temps d'être exigeant, parce que c'est vrai que parfois, je vous embête, et sur la réflexion, ça casse les pieds et tout. Mais si c'est pour éviter de sombrer dans les analyses de Julien Pin, je me dis, bon... On n'est pas si mal, tu vois. On n'est pas si mal. Donc, voilà un petit peu, les amis. Voilà, je vois dans le chat, ça vous a plu. Je suis content. C'était cool. J'ai pas vomi, donc ça va. J'adore tes analyses. Top. France Info est en live. Tu peux les raids si tu veux MDR. Génial pour moi. Merci. Merci les copains. Merci les copains. Ça fait plaisir. Bah, j'espère que voilà, c'est cool. On en refera. On en refera, les amis. C'est cool si ça vous plaît. Voilà. Merci. Merci à vous les amis. Et puis, on va essayer de bricoler quelque chose parce que je vais en parler plusieurs fois. Tout ça, on va parler du livre, on va parler de plusieurs choses. Et je pense que je vais tout coller pour en faire une grosse vidéo à la fin. Malheureusement, je ne suis pas sûr de pouvoir la mettre sur YouTube. Par exemple, là, ce qu'on a fait aujourd'hui, à mon avis, je ne pourrais pas le foutre sur YouTube parce que il y a les extraits du truc de Julien Pin. Et je pense bien qu'en termes de droit, je n'aurais pas le droit de le diffuser. Donc, on va trouver un moyen. Je vais trouver un moyen de vous le garder dispo. Je vais le garder au chaud sur mon ordi, vous inquiétez pas. Et puis voilà. Voilà, les copains. On est ensemble depuis quasi 2 heures, hein, bientôt. Que du plaisir, les copains. Merci d'avoir été là. Ça augmente hein, de plus en plus. Là, on a retrouvé un bon rythme. Vous étiez quasiment 400 tout à l'heure. Donc, complètement fou, complètement zinzin. Merci à tous, les copains. On va se quitter. On se retrouve alors avec un programme joli comme tout, je peux vous le dire, dans les jours qui arrivent. Alors, ce soir, il y a eu la nouvelle vidéo, juste milieu, hein, sur Agnès Pannier. Sur Olivia Grégoire. Ah, vraiment, on l'adore, on l'embrasse, Olivia Grégoire. C'est Cassolette et Macronie, épisode 4, vraiment sur Olivia Grégoire. Si vous avez envie de jeter un œil pour ce soir, faites-vous plaisir. Je vous donne rendez-vous sur Twitch demain, même heure, même endroit, 17h, 17h15, on verra en tout cas à partir de 17h. Soyez là les copains. Et 18h, c'est la farce tranquille qu'on regardera ensemble, je pense, tranquillement. Et puis après, on aura Juste Bistrot également à 17h jeudi prochain, normalement. Si c'est tout bon, je crois que j'ai rien de prévu. Donc c'est parfait, on se retrouvera entre copains. Au pire, ce sera le midi, enfin, vous inquiétez pas. Et puis voilà, on aura sûrement une vidéo qui sortira vendredi. Voilà les amis, vous le savez, on est ensemble à fond. La forme, je peux vous dire qu'on avance beaucoup, là, les coulisses, tant que vous êtes là, on avance beaucoup sur un nouveau projet qui va arriver mi-mars, donc nouveau projet de revue. Ça y est, c'est officiel, on avance, on a déjà plusieurs personnes autour de nous. J'espère que ça va vous plaire, franchement, j'ai hâte de vous parler de ce projet-là, de vous le présenter. Voilà, c'est vraiment une idée qui est au cœur de la démarche Juste Milieu, et cette fois, on ne sera pas tout seul, vraiment pas tout seul. Il y a beaucoup de gens qui vont être avec nous, des gens que vous connaissez pour la plupart. Enfin, je ne vous en dis pas plus, ça arrivera mi-mars, soyez prêts, ça va être que du plaisir. Donc les copains, merci à vous. Je vous mets le lien et la petite pub qui ne mange pas de pain. On reste dans le thème, t'as capté. La petite pub pour la vidéo Cassolette et Macronie, si vous voulez finir en beauté. Je vous le mets dans le chat. Voilà, je vous mets 2-3 fois le lien si vous voulez jeter un œil. Ça vient de sortir, ça a été tourné aujourd'hui. J'ai la même chemise, donc je veux dire, complètement fou. Pimous Cassie qui me fout la pression, permis dans 10 jours. Ça, c'est vrai, je passe mon permis le 3 février. Arrêtez, je vais me faire dessus. Donc, les copains, merci à vous vraiment d'être là, toujours aussi nombreux. Prenez soin de vous. Bonne soirée, les copains. On se retrouve dès demain sur Twitch, même heure, même endroit. Vive la rigolade et vive la France.